Salut, salut, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Bonjour, bonsoir, toutes les trailers et tous les trailers, et même celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, bienvenue dans le LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et oui, 100%. On parle que de trail ici, exceptionnellement, on va un peu s'égarer vers de la course nature ou de la course sur route, mais le sujet principal, c'est le trail. Et aujourd'hui, pour cet épisode un peu particulier, sous format à mi-chemin entre le demande conseil et l'interview, j'ai fait appel à deux personnalités, deux personnages qui sont trailers-chasseurs, qui ont ces deux passions en commun. Et pour quelle raison j'ai souhaité aborder ce sujet ? Eh bien, c'est parce que l'on constate quand même, malgré tout, que ce sont deux communautés qui ne se connaissent pas réellement, qui se toisent, qui s'observent, qui se parlent très peu. Et je pense qu'il était intéressant d'aborder le sujet sous le prisme de la pratique et de la vision de ces deux personnalités qui ont cette passion en commun. Et pour parler de ce sujet, j'ai fait appel à Nicolas Martin, double vice-champion du monde de trail, et Julien Delattre, qui est Patreon, qui a intervenu déjà plusieurs reprises dans le LTP. Et nous allons aborder ce sujet sous différents aspects. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu de leur historique, de leur culture, de ce qui les a amenés à pratiquer cette discipline. Nous allons ensuite parler un petit peu de l'aspect général de la chasse. Que représente la chasse en France ? Combien y a-t-il de chasseurs ? Comment est-elle gérée ? Quelles sont les règles pour pouvoir participer à des chasses ? On va entrer ensuite dans l'accidentologie de la chasse. On va faire un petit peu un bilan des accidents et de l'évolution du nombre des accidents dans cette discipline, dans cette pratique. Et puis enfin, nous allons parler un petit peu plus généralement de la relation entre les trailers et les chasseurs. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue de ces deux passionnés. Allez, après cette longue introduction, je te laisse profiter de cette conversation avec Nicolas Martin et Julien Delattre. Bonne écoute. Salut Julien et salut Nico, je suis très heureux de vous retrouver sur le Let's Try Podcast. Comment allez-vous ? Déjà, comment vas-tu Julien ? Tu es fidèle Patreon, tu es déjà intervenu dans le LTP une ou deux fois, je crois. Comment vas-tu ? Tout à fait, bonjour tout le monde. Ça va très bien. La saison de la chasse a repris là, depuis peu, donc en parallèle du trail, donc tout se passe bien, quoi. Le temps est là en plus, donc tout va bien. Et oui, on va en parler de tout ça. Merci Julien, en tout cas, ton soutien, merci de participer à la vie du LTP, c'est un véritable bonheur. Et salut Monsieur Martin, Nicolas Martin, comment vas-tu ? Salut Nico, salut Julien, ça va, je prends mon mal en patience parce que ma douleur de genou est toujours présente, mais ça va. Du coup, je m'occupe, je vais à la chasse en ce moment parce que j'ai un peu plus de temps que les autres années, vu que c'est un peu plus calme sur le côté sportif. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir aussi qu'on va faire ce podcast parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc merci de l'invitation. Eh ben avec plaisir. Quand je t'avais reçu en 2019, pardon. Ou de, je sais plus, 2020. 2020, je crois que c'était juste avant le Covid. Ouais, sur le Ventoux. Tu me parlais déjà de ta passion pour ce sport-là. Pourquoi je veux faire cet épisode-là ? Pourquoi je veux qu'on parle de ça ? Déjà, je fais appel à vous parce que vous êtes pratiquants hein, de chasse et de trail. Vous êtes donc ce qu'on appelle des chasseurs-trailers. Je sais pas si on peut vous qualifier ainsi. Mais en tout cas, je voulais faire cet épisode parce que la cohabitation, les relations entre chasseurs et trailers est souvent un peu, moi de ce que je constate, un peu tendue, et j'ai aussi beaucoup l'impression que ça repose sur des méconnaissances, des problèmes de communication aussi. Et puis on va en parler de tout ça, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense être vraies, mais qui en définitive ne le sont pas, et on va en parler. Mais dans un premier temps, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu es trailer toi-même, oui. Et tu es aussi chasseur, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça devient cette passion de la chasse ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que c'est, voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Ben c'est ça, hein, c'est familial. Hein, donc moi je chasse, je vais à la chasse depuis que je suis tout petit avec mon père. Hein, donc mon père chasse, mon grand-père chassait, j'ai un oncle aussi chasseur. Donc moi j'ai toujours. T'es dans quelle région déjà ? Moi je suis en Picardie dans la Somme, côté Baie de Somme. Moi j'ai la Baie de Somme. Donc j'ai toujours vécu dans la chasse comme ça. Donc tous les dimanches, dimanche matin, dimanche après-midi avec mon père,
on allait à la chasse et moi je portais carnière, hein, c'est l'expression, en gros, je portais le gibier qui était tué ou pas, hein, par mon père. Et donc tout ça depuis le plus jeune âge. Et ensuite, à partir de mes 15 ans, j'ai fait chasse accompagnée. Donc, il y a une chasse accompagnée, un peu comme la conduite accompagnée. Donc, on peut être accompagné donc par un fusil, mais on n'a qu'un seul fusil pour deux. Donc, avec un chasseur qui est expérimenté, je crois qu'il faut qu'il ait au minimum 5 ans de permis. Et donc, de ce fait, à 15 ans, j'ai commencé la chasse accompagnée avant de pouvoir passer mon permis à 16 ans. Et à partir de mes 16 ans, j'ai chassé tous les ans, quoi. J'ai 35 ans maintenant et du coup, je chasse depuis que j'ai 15 ans, en gros, je porte un fusil, on va dire. Et je... Qu'est-ce que tu vois comme relation entre la chasse et le trail, toi? Mis à part l'aspect nature, est-ce que tu vois d'autres relations? Bah, pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment quand je vais à la chasse, hein, que ce soit avec mon père ou avec la société et mes amis aussi. J'ai des amis qui chassent avec qui je vais chasser de temps en temps. Bah, ce que je recherche, c'est ça. Hein. C'est le fait d'être au contact de la nature, de se balader, de voir des animaux. Et puis éventuellement en prélever un ou pas du tout, mais je vais pas à la chasse dans l'optique de me dire je vais tuer des animaux, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Moi, c'est vraiment profiter de l'air. J'habite à Paris, en région parisienne, donc le fait de pouvoir le dimanche aller me balader en pleine nature, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi, sur ce côté. Donc, en gros, une vingtaine d'années d'expérience de chasse, c'est ça, à peu Exactement, ouais, près? c'est ça, exactement, Mmh. exactement. Et toujours à peu près au même dans la même région, hein. Toujours au même endroit, dans un village où mes parents habitent. Hein, donc, je fais l'ouverture de la chasse en plaine au petit gibier, même si maintenant, il y a quasiment plus de petits gibiers. Alors, est-ce que c'est lié à la chasse? Est-ce que c'est lié à l'agriculture maintenant, aux pesticides dans les champs? Enfin, ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on fait quand même l'ouverture pour dire de marquer le coup, même si on prélève pas grand-chose. Hein. Par exemple, cette année, à l'ouverture, on n'a rien fait. On a juste vu quelques animaux, mais au vu du nombre qu'ils étaient, on a préféré ne pas les tirer. Mais on s'est quand même baladé, on a partagé entre amis cette journée du dimanche ensoleillé, et puis voilà, quoi. Alors moi, merci Julien pour ton partage d'expérience. Moi, de mon côté, je suis pas du tout chasseur. Je connais pas du tout ce milieu. Hein, je découvre. Hein, j'ai découvert aussi pas mal de choses en préparant cet échange. Donc voilà, moi, de mon côté, mes connaissances totales du milieu, je vous partagerai un petit peu aussi les. Alors pas les expériences, mais ce que j'ai constaté moi dans le sud-est notamment, juste un petit peu plus tard. Et toi, Nico, de ton côté, est-ce que tu peux nous synthétiser un peu l'histoire qui t'a amené à devenir chasseur? Bah, c'est très très similaire à Julien. Mon papa était chasseur. Alors nous, c'était plutôt de la chasse aux chiens courants. Mon papa est assez âgé. Il a eu 80 ans cette année. Il a des chiens depuis le début des années 60, donc depuis quasiment qu'il a la vingtaine. Donc il a eu des chiens tout au long de sa vie. Lui, sa passion, c'était vraiment les chiens enfin, ça faisait partie de la chasse, mais plus vraiment chasser avec des chiens plus qu'aller à la chasse. S'il n'y avait pas eu de chiens, je suis pas sûr qu'il aurait continué à chasser très longtemps. Donc moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai commencé à y aller avec mon papa, j'avais 5-6 ans. Et à partir de 12-13, alors là, c'était vraiment la grosse passion jusqu'à pouvoir avoir j'ai pas forcément fait moi la chasse accompagnée, mais bon, vu que on avait beaucoup des chiens, pour moi c'était courir après les chiens, et donc en fait il n'y avait pas forcément besoin d'avoir l'arme. Donc l'année de mes 16 ans, je passais le permis, et depuis j'ai chassé vraiment de manière très intensive pendant les 10 premières années. Après, c'est là que j'ai un peu gravisé les échelons dans le trail en parallèle, et du coup ces deux passions qui étaient assez fortes chez moi, à un moment donné, ben t'as pas trop. Alors j'ai un peu plus le temps maintenant qu'entre guillemets je suis pro ou semi-pro dans le trail. J'ai un peu plus de temps libre à côté pour pouvoir aller à la chasse, mais à un moment donné, quand je travaillais, que je faisais du trail, j'allais moins à la chasse parce que j'avais moins le temps. Et voilà, mais j'ai quand même toujours pris mon permis. Aujourd'hui, on a un peu moins de chiens parce que moi, je voulais pas reprendre une meute de chiens alors que j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc maintenant, on a essentiellement une petite chienne beagle et on chasse plus le lièvre, alors qu'avant on chassait plus le sanglier. Mais voilà, j'étais dans une famille où mon oncle était chasseur, mes cousins sont chasseurs. Moi, j'habite vraiment dans un territoire très rural. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça dans les territoires ruraux. La chasse, alors ça évolue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux, mais quand moi j'étais gamin, j'ai envie de dire, tout le monde ne chassait pas, mais tout le monde avait des gens proches dans sa famille proche, des gens qui chassaient. Donc le rapport à la chasse était quand même assez différent, et même à l'échelle d'une vingtaine d'années, moi j'ai vu quand même une évolution, quoi. On entend souvent
Le chasseur et la chasse de manière générale a une image assez parfois négative, hein, tu l'as dit Julien tout à l'heure très justement, dans notre société. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, Julien, sur la culture chasse? Ça, c'est quoi? C'est de la camaraderie avant tout? C'est du partage? C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment du partage, quoi. Du partage et voilà, se retrouver et puis échanger, se balader, prendre l'air. Moi, c'est surtout ça, quoi. Prendre l'air, voir des animaux. C'est ça avant tout pour moi, la chasse, quoi. Et après, bah, si on peut prélever un animal, bah, pourquoi pas. Mais c'est vraiment, moi, avant tout, c'est ça. C'est vraiment le partage, de se revoir, de discuter, de parler de plein de choses et d'autres et de se balader dans la nature comme ça, au grand air, quoi. C'est surtout ça pour moi. Il y a une vraie culture, Nico, de se retrouver entre chasseurs, etc., pour partager des moments avant, après, etc., ou ça se limite juste au moment de chasse? Non, globalement, c'est quand même des associations où j'ai envie de dire très souvent la chasse est plus un prétexte à se retrouver plus que l'objectif en soi. Après, moi, j'étais un peu plus passionné de la chasse, des chiens, et donc moi, j'étais un peu plus focus chasse que, on va dire, échange avec les gens. Mais une fois que la chasse est terminée, ça se passe quand même plutôt à l'automne, donc les journées sont longues. Ça dépend des périodes, mais souvent, parce qu'il y a plein de chasses différentes, on y reviendra peut-être, mais il y a plusieurs phases dans la chasse, et donc bah souvent c'est se rassembler le matin, un peu avant le lever du jour, on boit le café, on papote. Après, souvent, quand on chasse avec des chiens courants, on va faire un tour dans la forêt où là c'est complètement une activité qui est sans armes, qui est avec les chiens, qui est vraiment se balader dans la nature, repérer les animaux, comprendre le meurtre des animaux. Ça, moi, par exemple, cette partie-là de la chasse, je comprends pas en fait qu'on puisse aimer le trail, aimer la nature et pas aimer au moins cette partie-là de la chasse. Après, prendre une arme, abattre un animal ou prélever un animal, selon le terme qu'on veut mettre derrière, ça, je peux comprendre. Après, il y a une grande partie de la chasse et moi, j'ai fait des études où j'ai étudié la forêt, BTS gestion forestière, et où il y avait en gros, j'étais très cartésien, mais d'un côté un peu des chasseurs et des gens qui étaient plus une sensibilité entre guillemets écologiste, et tous ceux qui n'étaient pas trop pro-chasse que j'ai emmenés à la chasse un week-end chez moi, ils sont revenus, ils ont dit ah mais c'était pas du tout l'image que je me faisais de la chasse, parce que je sais pas, tu passes 15 heures dans le week-end dehors, je sais pas, j'ai porté l'arme 3 heures dans le week-end quoi. Passe du temps, si tu te balades dans la forêt, tu cours après les chiens pour les rattraper, pour les couper. C'est quand même une activité quand tu as des chiens qui est quand même au contact de la nature. Et moi, personnellement, je vois vraiment, j'ai un peu une passion d'être dehors. Et finalement, le trail ou la chasse, c'est deux versants d'une passion, d'une même passion qui sont pas exactement la même. Le trail, c'est plus explorer plus de distance. La chasse, c'est plutôt trouver un plaisir dans une surface plus restreinte, parce que il y a une notion de quête, de savoir est-ce que je vais trouver quelque chose, et c'est ouais quand même quelque chose qui est assez qui est une activité pour moi de pleine nature, et qui est souvent un peu dévoyée. Je dis souvent moi que le problème c'est pas la chasse, c'est peut-être parfois le comportement de certains chasseurs plus que la chasse en elle-même quoi. Il y a souvent aussi une idée qui, enfin, on doit souvent aussi vous poser la question, hein, messieurs, c'est comment c'est un peu paradoxal de dire qu'on aime la nature, qu'on la défend, et à côté de ça qu'on puisse envisager de tuer des animaux. Ça, c'est des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, de ce point de vue-là. Après, c'est aussi pour réguler, quoi. On fait ça aussi pour réguler la population des animaux. Moi, je pense notamment, là, je suis en pleine, il y a eu l'ouverture au bois. Donc là, je suis plus, moi, je chasse plus dans le bois, dans les bois. Et c'est plus pour réguler, effectivement, la population de sangliers qui, derrière, fait des dégâts dans les cultures des agriculteurs. Et forcément, il faut bien limiter aussi cette population aussi de gros gibier, surtout de sangliers. Tout pour ça. On va en parler un peu plus tard de cette effectivement cette régulation. Nico, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les grands types de chasse qu'on peut trouver globalement? Encore une fois, hein, je découvre ce monde-là. Moi, j'entends souvent parler de battue, de voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de chasse qu'il y a? Ouais, alors on va commencer par on va partir des types de munitions qui sont utilisées, on va dire. Il y a en gros deux types de gibier. Il y a le petit gibier, donc le petit gibier c'est le lapin, le lièvre et les oiseaux globalement.
et de l'autre côté le grand gibier. Et le petit gibier chasse avec ce qu'on appelle des plombs, donc souvent le plus connu c'est le calibre 12, donc c'est des cartouches où on tire un certain nombre de petits plombs qui sont de tailles différentes selon le gibier qu'on chasse. En gros, plus le chiffre du numéro de plomb est petit, et plus le plomb est gros, donc c'est l'opposé du chiffre, et plus le gibier est gros, on va dire. Donc on va dire, on va prendre l'exemple, peut-être le plus gros du petit gibier, c'est le lièvre. Ça va chasser avec du plomb numéro 1 ou numéro 2, et puis les petits oiseaux vont chasser avec des plombs qui sont 8, 9, 10. Donc ça, c'est la chasse du petit gibier. De l'autre côté, il y a la chasse du grand gibier. Donc la chasse du grand gibier, elle va se faire en battue. Donc ça, c'est ce qui est le plus connu. C'est globalement, on en reparlera après sur les accidents, c'est souvent ce qui est le plus accidentogène. Et puis après, il y a la chasse dite à l'approche. Donc à l'approche, ça consiste à se promener, on va dire, dans la forêt pour essayer de voir des animaux. Alors souvent, ça se fait plutôt aux heures un peu crépusculaires, pour que c'est là que les animaux sont le plus actifs. Et après, il y a une autre chasse, alors qui est un peu similaire, qui s'appelle la chasse d'affût. Ça, c'est plutôt, on se poste à un endroit et on attend que les animaux sortent. Alors que dans la battue, on chasse à plus de monde, alors que les deux autres chasses peuvent se pratiquer plutôt de manière individuelle ou à quelques chasseurs. La battue, c'est, en gros, on essaye de faire déplacer les animaux, donc soit avec des rabatteurs qui sont des humains qui n'ont pas forcément d'armes et qui passent, enfin, la battue, ça, on encercle entre guillemets une traque, ça s'appelle. Et là, donc, soit il y a des rabatteurs, soit il y a des rabatteurs et des chiens. Et alors ça dépend des territoires. Quand même des territoires montagneux, c'est plutôt avec des chiens parce qu'il faut vraiment que les chiens soient capables de remonter la voie de l'animal pour le faire se déplacer, parce que c'est des grandes surfaces. Quand on est sur des chasses un peu plus, peut-être le cas où est Julien, un peu plus restreinte, bah on encercle toute l'enceinte, et puis on se balade dans la traque, on fait du bruit, et les animaux vont bouger, et puis peuvent aussi être déplacés par les chiens. Donc ça, c'est les grands types de chasse. Et la chasse au petit gibier, donc il y a de la chasse, Julien connaîtra un petit peu plus, moi c'est pas un truc que je connais beaucoup, mais il y a la chasse au gibier d'eau, à la hutte, tout ça. Et puis les autres chasses, c'est plutôt des chiens avec ce qu'on appelle un chien d'arrêt. Le chien d'arrêt, c'est les races qui sont un peu connues, qui sont peut-être connues un peu par les gens, c'est les épagneuls bretons, les setters, où le chien, on chasse, on se déplace, et puis le chien, il chasse et trouve l'odeur de l'animal. Et ça s'appelle un chien d'arrêt parce que quand il sent l'odeur de l'animal, bah, il se met à l'arrêt, il se fige. Et en principe, c'est que le gibier est juste devant à ce moment-là. Et c'est en principe quand il décolle dans le cas d'un oiseau qu'on va pouvoir tirer si c'est un gibier qu'on a le droit de chasser. Julien, on peut dire globalement que dans tous les types de chasse, il y a toujours des chiens? Pas forcément, bah comme disait Nicole, moi aussi j'ai pratiqué, bah là j'y vais plus trop, mais la chasse à la hutte, parce que moi du coup je viens de la baie de Somme, donc vraiment proche de l'eau, et nous on a la particularité d'avoir des huttes avec des mares, et là on vient en fait y attacher ces canards, donc des canards sauvages, mais qu'on domestique, hein, qu'on a chez soi, et des aplans, et après du coup bah, tout se passe à l'intérieur de la hutte, c'est-à-dire qu'une fois que le soleil s'est couché, on n'a plus le droit de sortir de la hutte, on doit ressortir que lorsque le soleil s'est levé. Et à partir de là, on attend les oiseaux. Donc, en général, c'est vraiment des canards, hein, les canards, les sortes de canards, les oies, par exemple, qui vont passer du coup au-dessus des huttes. Et avec les canards qu'on aura attachés, nos canards à nous, dans la mare de la hutte, ça va appeler. Donc, c'est les appelants, c'est ça. Ça va appeler ceux qui passent et eux vont se poser. Et là, on va pouvoir tirer à travers la hutte, enfin depuis la hutte, pardon, à travers les hublots. Dans la mare sur les canards. Donc là, on n'a pas forcément besoin de chiens puisqu'on est vraiment dans une hutte. Hein. Donc, mais Clair. sinon, après, oui, toutes les autres chasses, enfin, que ce soit comme l'a dit Nico, le petit gibier ou le grand gibier, enfin, c'est quand même plus sympa et d'avoir des chiens pour faire bouger le gibier, surtout quand on est au bois, qu'il y a des énormes ronciers ou par exemple le sanglier. En fait, tant que le sanglier n'est pas acculé, bah, tu peux passer juste à côté, il partira pas, alors que les chiens vont permettre en fait d'aller le Juste de débusquer et le faire déloger. partir exactement et l'envoyer vers les chasseurs, donc qui sont soit sur le côté, soit devant. Et comme l'a dit Nico, hein, donc c'est une traque. Hein, et en général, les chasseurs sont postés à poste fixe, et puis on tire tous les animaux qui sortent du bois. Hein. On est dos, on est ventre au bois, mais on tire que les animaux sortants. On tire pas dans la traque pour éviter tout accident. Et on a un angle de 30 degrés défini pour éviter qu'il y ait
un risque de ricocher sur nos voisins de droite ou de gauche. On va parler de cet aspect accidentologie et règles qui ont été mises en place depuis des années. Globalement, pour sans rentrer trop dans ce domaine-là de l'accidentologie, Nico, mais sur les périodes de chasse globales, alors j'ai l'impression, moi, de l'extérieur, que ça reste quand même assez compliqué. Évidemment, les périodes de chasse sont dépendantes des espèces. Donc, vu qu'il y a différentes chasses en fonction de différentes espèces, il y a forcément différentes périodes de chasse. Mais globalement, si on devait tirer un gros trait sur ces différentes périodes de chasse, ça ressemble à quoi la chasse en France aujourd'hui? Alors ouais, comme tu l'as dit, il y a plein de dates différentes, mais on va dire la grosse période de chasse, c'est de la, du, je crois que c'est, ça dépend un peu des départements, mais chez nous c'est le deuxième dimanche de septembre jusque début janvier, fin janvier, voire fin février. Après, quand même, les grosses périodes de chasse, novembre, décembre et janvier. C'est peut-être là que la chasse est le plus active. Octobre, ça dépend un petit peu. Après, notamment pour le sanglier, toi qui es plus dans le sud, pour aller un peu plus proche de chez toi, là en principe ça chasse plutôt du 15 août jusqu'à la fin février globalement, en sachant que quand on est du 15 août à l'ouverture générale, donc l'ouverture générale c'est le deuxième dimanche de septembre. C'est des chasses qui sont obligatoirement battues, alors que dans la période d'ouverture générale, donc les premières dates que j'ai données, là, c'est un peu plus libre et on peut un peu avoir des chasseurs un peu partout, alors que quand ils sont battus, bah, ils ont le droit de chasser qu'en battue. Donc, normalement, il y aura pas de chasseurs en dehors du lieu de la battue, quoi. Très clair. Je vais essayer de faire un petit état des lieux de la chasse en France aujourd'hui. Alors j'ai été, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été assez surpris des chiffres que j'entends, que j'ai vus. Pardon. On est à plus d'un million de pratiquants en France aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu. Un C'est million cent et c'est plutôt en baisse hein, parce qu'on ouais. était à 2 millions il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est plutôt à tendance baissière, effectivement, sur le nombre de pratiquants. C'est géré par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il y a 94 fédérations départementales des chasseurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ah, je retrouve plus les chiffres, j'avais Il y a j'avais. 13 fédérations Voilà. régionales et puis une grosse fédération nationale. Qui est un peu connu, je pense, du grand public aujourd'hui, notamment grâce à son président, qui est Willy Schren, qui je ne sais pas s'il fait toujours des bonnes sorties, mais qui en tout cas est un peu connu, notamment parce que il passe actuellement à la radio dans les grandes gueules d'RMC, je crois, donc c'est vrai que ça lui a donné un peu de visibilité. Après, sans rentrer dans les détails, on va dire que la fédération nationale a plus un rôle de politique, sans parler de lobby, mais un peu de politique. Après, c'est plutôt les fédérations départementales des chasseurs qui ont plus un rôle de terrain avec différentes missions. Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est qu'on explique aussi comment on peut accéder à la chasse, parce que ça, je pense que c'est une chose qui est importante aussi pour la compréhension globale et la cohabitation. Effectivement, ouais. En fait, donc si tu n'es pas chasseur et que tu veux devenir chasseur, faut passer un permis de chasse qui se décompose de deux épreuves. Donc il y a une partie théorique où alors si je n'ai pas révisé récemment, mais je crois qu'à l'époque c'était 21 questions et il faut avoir au moins 16 pour avoir cette partie théorique. Et C'est des depuis questions 2000, théoriques sur quoi, de des manière un peu questions générale? sur la réglementation de la chasse, la sécurité, la connaissance des espèces, la manipulation des armes un petit peu. Et après tu as une épreuve Pratique. pratique qui est beaucoup plus orienté sécurité, donc comment se comporter quand on doit passer une clôture, c'est-à-dire décharger son fusil, le casser entre guillemets, ça on pourra y revenir, mais quand on parle des fois, on voit sur les réseaux des gens dire ah, j'ai croisé un chasseur, il n'avait pas son fusil cassé. Bon, bah, faut savoir qu'il y a des armes comme les carabines, ça ne peut pas se casser en deux. Oui, le chasseur n'avait pas forcément cassé son fusil, c'est juste qu'il ne peut Qui pas le peut pas. casser, quoi. Il peut pas. Donc voilà cette épreuve pratique. Donc une fois qu'on a réussi ces deux examens, on est titulaire du permis de chasser. Quand tu as le permis de chasser, t'as entre guillemets rien le droit de faire pour le moment. Chaque année, tu dois prendre ce qu'on appelle une validation qui est, alors sans rentrer dans les détails, mais qui est soit départementale, soit nationale aujourd'hui.
La partie nationale, vous en avez peut-être entendu parler il y a 3-4 ans, quand on a dit le président Macron a fait un cadeau aux chasseurs, il a baissé le prix du permis, bah, il avait baissé le coût de cette validation nationale. Ces validations-là, en gros, elles vont définir où tu peux potentiellement, je dis bien potentiellement chasser. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé ça, donc ça, c'est globalement, c'est des taxes qui permettent d'alimenter en partie, c'est des taxes qui vont à l'État, et puis après les fédérations départementales des chasseurs. Une fois que tu as ça, tu n'as toujours pas le droit de chasser. Parce que la chasse, elle est après réduite à certains territoires. Alors, si le droit de chasse, il est attaché au droit de propriété en France. Alors, pas toujours, c'est pas le cas partout comme ça, parce qu'il y a la loi, les gens ont peut-être déjà entendu parler de la loi Verdet, qui a des lois qui est plutôt favorable à la chasse, on va dire, qui a créé les ACCA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, je ne crois pas qu'il y en ait trop dans le nord. Où est Julien, mais dans la moitié sud de la France, il y en a pas mal. Il y a des départements où il y a une obligation d'être sous forme d'ACCA, donc c'est Association communale de chasse agréée. Donc en gros, dans ce cas-là, tous les territoires de la commune appartiennent à l'ACCA et tous les gens qui étaient historiquement propriétaires de terrain ont perdu, entre guillemets, leur droit de chasse sur ce terrain et en contrepartie ont eu le droit de chasser sur tous les terrains de la commune. Donc, t'as ces différents territoires. Donc, il y a les ACCA, il y a des chasse Julien. Je pense que c'est plutôt des groupements de propriétaires Ouais, privé, exactement. privés qui se regroupent et vu qu'ils ont chacun leur droit de chasse, ben, ils se regroupent pour chasser. Et donc, on a uniquement le droit de chasser ou on a un droit de chasse. Donc, soit alors dans les ACCA, on a le droit si on est résident de la commune, si on est propriétaire de terrain sur la commune. Puis, vu que c'était pour favoriser l'accès à la chasse, il y a aussi des sociétaires dits extérieurs, donc des gens qui ne rentrent pas dans les deux catégories, et notamment, par exemple, des gens qui habitent en ville et qui peuvent avoir accès à un territoire. Et donc là, bah, on va payer une cotisation à cette association avant de pouvoir chasser. Donc, il y a quand même toutes ces étapes avant de pouvoir chasser. Et le corollaire de tout ça, c'est que quand tu es chasseur, ben, tu ne te lèves pas le matin et tu prends ton fusil comme un trailer met ses baskets et tu vas chasser où tu veux. Ça, c'est important de le comprendre parce que quand tu es trailer, s'il y a une battue, tu peux aller ailleurs. Le chasseur, lui, il doit chasser son territoire, il peut pas aller chasser 2 km à côté chez le voisin, quoi. Ça, c'est assez intéressant quand même de connaître ça aussi pour se rendre compte qu'il y a quand même des vraies restrictions dans la chasse, ça se pratique pas de manière complètement libre, loin de là, quoi. Donc en gros, si je comprends bien, on passe un permis qui est national, le permis de chasse, mais qui ne donne pas forcément le droit de chasser sur tout le territoire et on doit rentrer dans des sociétés ou dans des associations qui nous permettent de le faire. C'est ça, Pour Julien? valider ton permis de chasse chaque année aussi. En plus, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas comme le permis voiture où tu l'as une fois et tu peux conduire toute ta vie. Là, le permis de chasse, tous les ans, tu dois repayer une cotisation tous les ans. Et si tu payes pas, t'as pas le droit de chasser, t'as pas la validation. Et c'est ces associations et ces regroupements de propriétaires qui valident? Non, c'est les fédérations. C'est la Fédé, ouais. D'accord. La fédération, après, en fait, départementale, nationale, c'est si tu chasses que dans ton département, bah, tu prends une validation départementale. Si par exemple ben, tu chasses, moi c'est le cas, je chasse en Isère, je chasse un peu dans la Drôme et puis parfois je vais chez des copains en Savoie ou dans l'Ain, et ben là tu vas prendre une validation nationale pour pouvoir aller chasser sur ces autres territoires. Mais après pour aller chasser sur d'autres territoires, faut qu'on peut t'inviter. Par exemple Julien pourrait dire ah bah ben, tiens tu veux venir chasser chez moi, je t'invite. Si j'ai que la validation départementale de l'Isère, j'aurais pas le droit, donc je peux faire une validation temporaire de 3 jours, ça existe. Mais par contre, si t'as une validation nationale, tu pourras aller chasser n'importe où sur le territoire français si on t'invite, quoi, sur un D'accord. territoire de chasse. Mais tu te lèves pas le matin en disant, tiens, si j'allais chasser, je sais pas, dans le Massif central, quoi. Tu vois, je suis allé récemment pour faire une inauguration d'un univers trail en Charente. Et ben le dimanche matin, je peux mettre mes baskets, aller courir. Je peux pas dire, tiens, j'ai pris mon fusil de chasse, tiens, je vais aller chasser sur le territoire qui est à côté d'où j'étais librement. Ça marche pas comme ça, quoi. D'accord. Très clair. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien, je crois. Non, non, mais c'est exactement ce qu'a dit Nico, hein, c'est ça. Et après, effectivement, tu dois prendre des actions. Si jamais tu veux participer à des chasses privées ou autres, bah, tu dois payer une action pour avoir le droit de chasser au sein d'une société. Ou sinon, si tu as tes propres terres, tu peux effectivement chasser dessus, si c'est soumis à plan de chasse, bien évidemment.
Ah, donc on s'imagine que c'est un peu freestyle là, la chasse, mais pas du tout en fait. Ah non, c'est quand même C'est bien réglementé. très Ouais. cadré, très réglementé et Et très on n'a réglementé. encore pas parlé des animaux que tu as le droit de tirer. Je sais pas si on parle Oui, maintenant bien, ou après. on peut justement ça, cette première partie est. Il a parlé de ce qui est soumis à plan de chasse. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont dites soumises à plan de chasse. C'est-à-dire que, y a une évaluation des populations qui sont faites par, alors, presque exclusivement par les chasseurs et par les fédérations départementales de chasse. Mais ils ne sont pas les seuls à décider ce qu'on appelle les attributions, c'est-à-dire combien d'animaux on va pouvoir de telle espèce. Donc, globalement, les cervidés, donc les espèces cerfs, les chevreuils, le chamois, le mouflon et le sanglier dans certains départements sont soumis à plan de chasse, c'est-à-dire que on donne des attributions, c'est-à-dire un nombre d'animaux qu'on va pouvoir tuer sur un territoire donné pour la saison de chasse à venir. Par personne ou par association? Alors, c'est plutôt par territoire de chasse. Par territoire, ok. Par territoire de chasse. Après, au sein du territoire, chacun organise la chasse comme il veut. Il peut distribuer. En fait, ça dépend. Si tu as 50 chasseurs et Ouais. 5 bracelets de chevreuil, bah, ça va plutôt se chasser en battue ou avoir avec un roulement où le bracelet va tourner. Après, nous, il y a eu des périodes où moi, je chasse. Il y avait par exemple un chevreuil pour deux chasseurs. Donc, il y avait un, tu faisais des groupes de deux. Chacun avait un bracelet et puis tu chasses jusqu'à une certaine date, parce que par exemple, faut essayer de, il y a des, après, il y a quand même des obligations de réaliser un minimum du plan de chasse, parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle l'équilibre agro-sylvo-cynégétique qui consiste à équilibrer entre les animaux pour l'agriculture et pour la forêt, parce que s'il y a trop de cervidés, notamment, ça fait beaucoup de dégâts en forêt. S'il y a trop de sangliers, c'est beaucoup de dégâts dans les champs. Donc, alors, Julien avait parlé du rôle de régulation de la chasse. Moi, pour moi, on n'est pas des régulateurs dans le sens, je ne me sens pas investi d'une mission de régulation. Par contre, la chasse a un effet régulateur sur les populations d'animaux, en sachant qu'on a quand même quelques petites obligations, et notamment les dégâts faits par les animaux, alors surtout au niveau agricole et moins au niveau forestier, sont financés exclusivement par les chasseurs. Exactement, ouais. C'est-à-dire que avant que ça ait été mis en place, donc je ne vais pas dire les dates exactes, avant que ces indemnisations soient mises en place, en gros, il y avait un droit de défense des agriculteurs sur leur terrain. C'est-à-dire qu'en gros, le sanglier venait manger dans le champ, ils avaient le droit d'aller à l'affût et de lui tirer dessus pour qu'il arrête de faire des dégâts. Ce droit-là, il a disparu. En contrepartie, les fédérations de chasse ont dit, bon, bah, on va indemniser les dégâts. Bon, le but, c'est que faut pas avoir trop de dégâts parce que ça peut vite avoir un coût. Parmi eux, donc les chasseurs, ils ont envie d'avoir d'un côté pas mal d'animaux pour pouvoir chasser, mais de l'autre, s'il y en a trop, que ça fait des dégâts, c'est eux qui payent aussi. Donc, il y a quand même globalement une notion d'équilibre qui est nécessaire pour les chasseurs, quoi. Et Pour, j'ai une question à poser sur ce sujet-là, sur concernant les espèces, enfin les droits qui sont donnés. Alors tu parlais de bracelet tout à l'heure, donc j'imagine que c'est les associations et les regroupements de propriétaires privés à qui on donne des bracelets qui correspondent à des droits de prélever, on va dire, hein, une espèce. Et cette association va répartir en fonction de ces différents chasseurs. Et c'est en gros l'association qui va gérer la manière dont les c'est espèces vont être prélevées. C'est bien ça? ouais, c'est un peu ça. Nous, par exemple, pour mon exemple, quand on chasse au bois, donc par exemple, on a un bois qui fait à peu près, dans lequel on chasse, environ 150-200 hectares. Et sur ces 150-200 hectares de bois, on a à peu près une douzaine de bagues à sangliers et une douzaine de bagues à chevreuils. Donc en gros, c'est le nombre maximum d'animaux qu'on pourra prélever du coup sur la saison de chasse. Après, on les fait ou on les fait pas, ça c'est voilà, c'est libre à nous. Mais en gros, on ne pourra pas aller au-dessus de ce nombre. Et Et chaque comment c'est contrôlé avec cette bague? C'est-à-dire que il y a. dès que tu as tué un animal, dès que tu as prélevé un animal, tu viens mettre la bague. C'est vraiment une sorte de bague que tu mets à sa part et c'est clipsé. Et là, si tu as un contrôle de la Fédé, de l'Office national de la chasse ou autre, elle est en droit de te demander les animaux que tu as prélevés et tu dois avoir sur chacun des animaux que tu as prélevés cette bague en question. Si tu ne l'as pas, là, c'est sanction financière, amende, tu peux perdre ton permis de chasse. Donc il y a des contrôles réguliers de. C'est quel office qui fait ces contrôles-là? L'Office C'est national de la chasse, l'ONC aussi. l'OFB maintenant, l'Office français de la biodiversité, qui a été un regroupement de l'ONCFS, qui a été longtemps l'organisme responsable de la gestion de la police de la chasse, plus l'ONEMA, qui était la police de l'eau, plus il y avait l'Agence française de la biodiversité. Aujourd'hui, ils sont tous regroupés sous l'OFB.
Puis ça peut aussi regrouper les gardes des parcs nationaux. Et donc anti-contrôle, parce que alors le bracelet, ça peut être une espèce et dire c'est indifférencié dans l'espèce, ou principalement sur l'espèce cerf, on va avoir par exemple un cerf mâle, donc ceux qu'on les renvoie, les cerfs femelles, donc les biches qui sont dans après leur deuxième année. Puis souvent il y a quand même aussi dans la plupart des espèces les jeunes. Parce que globalement, les prélèvements, on va dire, quand on veut une population relativement stable, on prélève un peu dans chaque catégorie d'âge. Et quand on veut réduire, ben, on va par exemple plus tuer d'adultes. Et si on veut plutôt accroître, on va plutôt tuer plus de jeunes pour que ceux qui sont en âge de se reproduire soient préservés. Donc ça, après, c'est des politiques qui dépendent des dynamiques de population. Et ça, je te coupe, Nico, mais ces chiffres, ces statistiques là, un peu, ces objectifs, C'est quota, ces ouais. quotas qui sont demandés aux chasseurs, c'est qui les détermine? C'est le ministère, c'est qui? Alors aujourd'hui, c'est récent, ça fait un an ou deux, c'est de la responsabilité des fédérations départementales de la chasse, mais il y a des discussions qui ont lieu avant, notamment au CDCFS, qui est le comité départemental de la chasse et de la faune sauvage, où il y a déjà des associations environnementalistes, il y a le préfet, je pense des représentants des agriculteurs, des représentants de la forêt qui discutent. Et en gros, si par exemple, on va dire dans la forêt, il y a trop de cerfs, ça crée trop de dégâts. Par exemple, l'Office national de la forêt qui gère les forêts publiques, les syndicats forestiers vont par exemple mettre la pression en disant: nous, on veut que vous réduisiez les populations de cerfs parce qu'il y en a trop. Et là, peuvent quand même pas faire non plus ce qu'ils veulent, la fédération, parce que quand il y a des explosions de population, il y a d'autres manières de réguler, notamment ce qu'on appelle soit des battues administratives, soit des tirs qui sont effectués la nuit, notamment ça par les lieutenants de louveterie qui sont des gens Parlez quoi, qui ont pardon, Nico, on n'a pas entendu. les lieutenants de louveterie qui sont des personnes bénévoles qui sont pour un pouvoir, on va dire un peu de police, qui sont pour venir faire justement ces tirs quand il y a besoin. Parce que par exemple, si sur un territoire de chasse, les chasseurs veulent pas chasser, veulent pas tuer assez d'animaux, et qu'à un moment donné, il y a une explosion des animaux, et que là, sur ce territoire-là, ça crée bien énormément de dégâts, les agriculteurs, ils peuvent dire, bon, attendez, là, il y a vraiment trop d'animaux, faut faire quelque chose. Et dans ce cas-là, ça peut soit ils vont faire organiser des battues avec des chasseurs de l'extérieur, ça s'appelle une battue administrative qui est organisée pour réduire les animaux, soit des fois ils effectuent des tirs carrément, notamment sur le sanglier qui est l'espèce la plus dynamique, des tirs durant la nuit, quoi. Et donc ils se promènent avec des phares et puis ils tirent les animaux de nuit et puis ils les mettent à l'équarrissage, quoi. Il me semble qu'hormis ces périodes-là dont tu parles, la chasse de nuit, c'est considéré comme du braconnage, hein. C'est interdit, il me Ouais, c'est semble. interdit, c'est toléré 1 heure avant et 1 heure après le coucher du soleil. Et puis je Ok. crois que c'est peut-être 2 heures pour la chasse dans les huttes, il me semble, où il y a peut-être des tolérances un peu différentes. Mais globalement, oui, la chasse de nuit est interdite. Julien, de ton côté, on parlait des contrôles tout à l'heure, que ce soit peut-être des contrôles aussi de permis, de toutes ces autorisations administratives et de ces fameux quotas, etc. Toi, c'est des choses que tu as déjà vues, c'est des contrôles inopinés comme ça, c'est des choses qui arrivent? Alors non, moi pour le coup, en 20 ans de chasse, on va dire, j'ai jamais été contrôlé une seule fois, mais j'ai jamais été contrôlé une seule fois par la gendarmerie en roulant en voiture. Donc Ouais, c'est un peu pareil. tu vois, c'est voilà, faut aussi remettre ça dans le contexte. Mais effectivement, après, bah, chaque chasseur est responsable. Et nous, en tout cas, dans la chasse dans laquelle je vais, enfin, il y a vraiment un gros volet sur la sécurité et sur aussi, il n'y a pas de on surbraconne pas, enfin, il n'y a pas de braconnage ou quoi que ce soit. Il y en a certainement qui le font, mais c'est comme un peu les chauffards sur la route. Bien Mais sûr, pour que chaque. la majorité est quand même respectueuse Exactement, des exactement. règles. Chaque chasseur est responsable et fait en sorte que, bah, même pour les années d'après, parce que si tu viens à trop braconner, à faire en sorte que la population elle diminue trop, bah, après les années d'après, il y a plus de gibier, donc on ne peut plus non plus chasser. Donc je pense que le fait de réguler, ça permet de garder un équilibre pour les années suivantes. C'est ça.
Très clair. Bon, mais on voit que c'est assez complexe, hein, malgré tout, que y a, voilà, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Moi, j'aimerais bien basculer, là, si vous voulez bien, sur l'aspect accidentologie lié à la chasse. Alors là, pareil, hein, quand j'ai travaillé, quand j'ai regardé un petit peu les chiffres qui sont sortis d'ailleurs en juillet 2023 sur le site de l'Office français de la biodiversité. On entend souvent parler un peu là des bruits qui courent, des accidents de chasse, etc. Je vais vous donner juste les chiffres du bilan de la saison 2022-2023. Alors avant, je vais faire un petit disclaimer en disant que voilà, y a peu de décès dans le cadre de cette activité, mais malgré tout, je pense que c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine. Il y a eu 6 décès constatés. C'est le chiffre historiquement le plus bas relevé depuis qu'on recense les accidents dans le cadre de la chasse. Et les 6 victimes étaient toutes des chasseurs. Il n'y a eu aucun décès lié à la chasse avec un passant, ou avec un sportif, ou avec un trailer, ou un vététiste, ou quoi que ce soit. Donc sur la saison 2022-2023, il y a eu 78 accidents constatés sur la totalité de la saison. Alors je crois que tu peux rappeler, Nico, ce qu'on considère comme un accident. L'accident, c'est quand il y a quand même je crois une personne qui est réellement blessée Dans le cadre de la chasse, hein, bien évidemment. dans le cadre de la chasse qui est réellement blessée. Après, il y a des incidents, c'est-à-dire quand il y a des actes par exemple si une balle termine dans une voiture et que ça touche pas le passager c'est un incident et pas un accident. Ok. C'est Faut ça la un dommage corporel pour être considéré comme un Ouais, accident, me voilà. semble-t-il. C'est ça. Sachant que c'est une baisse globalement, si on simplifie les chiffres, mais en l'espace de 20 ans, on est passé de plutôt autour d'une trentaine de décès par an à plutôt autour d'une dizaine. Je vais donner les chiffres. Il y avait 44 décès en 98, 19 en 2010 et 11 en 2020. Donc on est vraiment sur une baisse très Ouais, très donc très sur une notable. tendance à la baisse, qui s'explique en partie quand même par les efforts. Fait déployé par les fédérations départementales de chasseurs sur les formations. Récemment, il y a une formation décennale qui a été mise en place qui n'existait pas parce que par exemple quelqu'un comme mon papa qui a le permis depuis très longtemps, il a eu son permis, il a même pas passé d'examen parce que avant 1976 tu prenais ton permis quoi. Donc du coup, il y a jamais eu forcément de formation pour ces gens-là. Et bon, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément les personnes les plus âgées qui causent le plus d'incidents. Mais maintenant, il va y avoir une obligation de faire une formation de sécurité tous les 10 ans pour rappeler Les règles de base de les bases, sécurité. en sachant que quand on organise une battue, normalement, ça dépend, je crois, des départements, mais il y a un rappel des consignes de sécurité avant chaque battue. Ça doit être fait à voix haute par une personne au niveau du rassemblement de chasse. T'es pas obligé de le faire. Enfin, si, t'es théoriquement t'es obligé de le faire. Si tu le fais pas, qu'il y a un décès, qu'il y a une enquête, parce que s'il y a un incident, il y a enquête de gendarmerie, plutôt de gendarmerie, parce que souvent c'est dans les territoires ruraux. Si là quelqu'un dit ah bah non, ils ont pas rappelé les consignes de sécurité, celui qui est organisateur de la battue. Il peut être tenu pour responsable en partie en plus de celui qui aura causé l'accident quoi. Donc globalement, il faut quand même, tout le monde a intérêt à être vigilant et en sachant que ceux qui sont plutôt anti-chasse diront oui, mais il y a beaucoup moins de chasseurs et c'est pour ça qu'il y a moins d'accidents. C'est vrai qu'il y a moins de chasseurs. Par contre, les prélèvements, ils ont été augmentés de 50% des grands animaux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les battues, c'est ce qui est vraiment le plus accidentogène. Plus 50% sur les tableaux de chasse. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de grands animaux qui sont tués en France. J'ai plus les chiffres exacts, mais en moyenne, je dirais que c'est au moins 5 balles tirées pour un animal prélevé. Donc, ça fait 5 à 7 millions de balles qui sont tirées chaque année. Ça fait quand même un risque, tu vois, quand des gens t'entendent dire, ah, je vais pas dehors parce qu'il y a un risque, il est quand même, si tu sors de la peur un peu inconsciente, il y a ça que tu dis, voilà, il y a tant de balles tirées, il y a tant de décès, c'est un risque qui est extrêmement faible. Et moi, je prends souvent l'exemple en tant que pratiquant de sport, j'ai beaucoup moins peur à la chasse que sur mon vélo de route, sur une route en train de faire du vélo, quoi.
par rapport aux voitures. Je pense qu'il n'y a pas photo. En J'ai termes jamais de. entendu, Si j'ai on. jamais entendu une balle siffler à côté de moi. J'ai des voitures qui me sont passées à moins de 50 cm, j'en ai vu quelques-unes depuis que je fais du vélo, quoi. Je pense qu'au niveau accidentologie, effectivement, il n'y a pas photo. Hein. Les accidents liés à la circulation sur la route sont bien au-dessus. C'est clair et net. Donc on voit effectivement une baisse continue. Alors effectivement, est-ce que c'est lié à la baisse du nombre de chasseurs ou est-ce que c'est lié. Je pense qu'il y a effectivement des deux, hein, clairement. Il y a eu un Pourtant, il y peu. a plus de fréquentation. Moi, je pense que tu vois l'explosion du trail notamment. Moi, mon point de vue, il y a beaucoup plus de gens dans la nature aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, il y a beaucoup plus de risques potentiels, notamment pour les non-chasseurs. Je ne vais pas dire que c'est tant pis quand un chasseur est blessé, mais disons que quand tu vas à la chasse, tu acceptes Y ce a un risque risque-là inhérent à la pratique. durant la pratique, beaucoup plus que. C'est sûr que la différence, c'est que des fois, il y a des gens qui sont pas chasseurs et qui peuvent être victimes d'un accident. Et ça, c'est regrettable. Il y avait eu un décès il y a quelques années dans le Semnoz qui était terrible. Je crois que c'est d'ailleurs ces soutiennes qu'il y a un kilomètre vertical qui est en l'honneur de cette personne. Bon, ça, c'est un accident dramatique et il faudrait que ça arrive jamais. Et normalement, c'est pas censé arriver quand on respecte les consignes de sécurité. Mais globalement, c'est une activité où quand même la plupart des gens font quand même attention. Et Julien a parlé des angles. Normalement, quand t'as une arme qui tue, si t'es un peu câblé correctement, si t'es pas sûr, tu lâches pas de balle, quoi. Je veux dire, on n'est pas en train de si on n'arrive pas à tuer un animal, on va pas manger le soir dans nos pays. Donc bon, voilà, faut quand même rester toujours avec du recul quand on a une arme entre les mains, quoi. Non, effectivement, je voulais présenter ces chiffres d'accidentologie quand même parce que je pense que très peu sont ceux qui sont ne serait-ce qu'à aller regarder sur Internet pour voir un petit peu les chiffres déclarés. C'est vrai qu'on c'est enfin, clairement, hein, moi je suis tombé sur le cul en regardant ces chiffres-là. Alors c'est vrai que c'est tragique, hein, 6 décès de chasseurs, mais en fait on imagine des choses et qui sont loin de la réalité. Toi, Julien, de ton côté, sur l'aspect sécurité, tu te sens en sécurité quand tu vas chasser, tu sens vraiment qu'il y a une prise de conscience des chasseurs. Je vais quand même faire la référence parce que ça doit être quelque chose qui doit vous gonfler, mais je pense que ça a eu quand même aussi beaucoup un impact vous concernant, mais c'est le sketch des inconnus a eu un impact Eh ben oui, énorme, c'est sûr. énorme sur la représentation qu'on a des chasseurs. Bon, je pense qu'on n'est plus là-dedans aujourd'hui. Non, on n'est plus là-dedans, mais ça nous suit, quoi. C'est ça, quoi. À chaque fois, enfin, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, même, je sais pas, quand il y a un article sur une personne qui a été blessée accidentellement par la chasse, bah, c'est toujours les mêmes arguments qui sortent, hein. Ils avaient picolé le matin, machin. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc, on a toujours un peu cette image qui est liée. Je sais pas si c'est lié au sketch des inconnus, mais en gros, on catégorise vraiment souvent les chasseurs à des alcooliques ou des mecs voilà qui tirent sur les autres pour n'en rien à faire des autres, alors que pas du tout. Enfin, nous, moi en tout cas, la chasse à Bah, chaque fois les chiffres le prouvent, hein, en clairement. plus, ouais, c'est ça, ouais. Et nous, à chaque fois, chaque début de track, hein, comme l'a dit Nico, hein, celui qui organise la chasse rappelle à chaque fois les consignes de sécurité. Enfin, que tu viennes chasser tous les dimanches, bah, tous les dimanches. Hop, c'est toujours les mêmes consignes qui sont répétées et à chaque fois c'est vraiment axé sur la sécurité, quoi. Enfin, on prend aucun risque si on voit un buisson bouger à lâcher notre balle dedans, quoi. On identifie avant et on tire après et si on peut pas tirer, bah, tant pis, quoi. Mais en tout cas, le volet sécurité est hyper important. Bon, moi, quand je vais lâcher, je me sens pas en insécurité parce que je sais que l'ensemble des chasseurs sont sensibilisés. Après, effectivement, il peut y avoir des accidents. De toute façon, un accident, Ça, c'est c'est la quelque vie chose aussi, qui hein. arrive exactement à un ricochet ou autre où on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, la sécurité est très importante. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, sur le sujet, Nico, sur le sujet de la responsabilité des liée à la chasse de manière générale, il y a des responsables désignés sur chaque journée de chasse, ou c'est uniquement dans le cadre des battues qu'il y a des responsables? Ça va dépendre de comment organiser la chasse. Moi, je connais plus le cas des ACCA. Dans les ACCA, c'est le président de l'association qui est quand même en grande partie responsable. Et après, globalement, les responsabilités, elles vont quand même être avant tout de Individuel. celui qui cause l'accident, bien sûr. Après, s'il y a des manquements manifestes à la sécurité dans l'organisation, par exemple, de la battue,
Là, il y a plus de personnes qui peuvent être inquiétées, notamment celui qui est responsable de l'abattu. Alors, ça peut être le président ou d'autres personnes, mais le président, lui, il a quand même la responsabilité de base. Après, il va déléguer pour l'organisation, mais bon, s'il y a des vrais soucis, s'il y a des vrais manquements, c'est la personne C'est qui est individuel. président de l'association qui est responsable, plus la personne qui va pas avoir respecté les consignes. Après, il y a des accidents qui sont, je vais dire, entre guillemets, acceptables, dans le sens, Julien en a parlé, c'est le ricochet, parce que tu peux très bien respecter la consigne, t'as pas de chance, la balle elle tape sur un caillou, ça prend un angle, et là il y a une personne qui passe à ce moment-là dans le mauvais angle et elle prend un ricochet. Bon bah ça, à part interdire à d'autres personnes d'être dans la forêt au moment où il y a de la chasse, t'as pas de levier là-dessus. Par contre, les tirs directs, notamment, eh ben je tire parce que j'ai vu bouger un buisson, que j'ai pas identifié ce qu'il y avait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez sévère quand il y a des gens qui font ça. Parce que là, c'est un homicide involontaire, s'il y a un décès, et ça, c'est inacceptable. T'as une arme, ça peut tuer. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu tires pas, quoi. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Ce que tu viens de dire là par rapport au ricochet, c'est pas quelque chose qui est sens... enfin, qui va rassurer les gens de manière générale hein, sur Ouais, le mais ricochet. c'est. Ça peut arriver, mais c'est globalement, c'est quand même des cas assez rares. Après, il y a la cohabitation, ça on va en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la On en parlera cohabitation? après. On va pas se mentir. Si tu vas dans certaines chasses où ils chassent 2, 3 fois par an, où il y a des dizaines de chasseurs et où ça mitraille dans tous les sens, moi, j'irai pas me promener dans la forêt à ce moment-là. Mais comme je vais pas faire du vélo. Samedi de départ en vacances sur la route, il y a un axe nord-sud pour aller en vacances chez moi, tu vois. C'est un peu du bon sens, quoi. Ouais. Pourtant, j'aurais le droit d'aller avec mon vélo sur la route où il y a des centaines de voitures qui passent. Non, je tiens ma vie, je vais pas sur la route. Et c'est pas parce qu'il y a plein de monde que les gens sont censés me rentrer dedans, tu vois. Mais c'est après, il faut faire preuve de bon sens, et quand il y a des battues avec énormément de tirs, c'est souvent des endroits où il n'y a quand même pas beaucoup de battues dans la saison. Et là, on n'est même pas rentré dans le cadre souvent ça se passe quand même sur des terrains privés. Et les gens qui sont sur ces terrains privés, c'est les propriétaires de ces terrains, en tout cas les gens qui louent ces terrains. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont plus le droit d'être là, mais ceux qui payent et à qui appartiennent les terrains, si on doit arbitrer entre l'un et les autres, c'est quand même celui qui est chez lui qui est un peu prioritaire. Ça me semble la logique. Et moi, là, on en parlera après, mais moi, ma position de chasseur, de trailer, là, elle est aussi d'avertir les trailers, de dire attention, notre sport, ça se déroule sur des terrains privés. Si vous voulez Souvent continuer chez les gens, quoi. souvent chez les gens. Donc, si vous voulez que ça continue à fonctionner comme ça, faut peut-être aussi accepter que les gens puissent avoir d'autres centres d'intérêt que les nôtres. On est d'accord. On va Mais y revenir sur cette histoire de cohabitation. ça, Vas-y, Julien, si tu veux compléter. non, mais j'allais dire ça, c'est un sujet parce qu'aujourd'hui, il y Ouais. a à peu près quoi? C'est au moins 70% des bois en France 75, ouais. ouais, 75 sont privés. Donc, si demain une personne va courir dans un bois et il s'est pas renseigné parce que c'est pas une forêt domaniale ou autre, bah là, effectivement, il se met en risque aussi tout seul parce que voilà, il est privé ou potentiellement il y a une chasse. Donc, J'ai envie de dire de manière un peu cynique, ceux qui ont le plus à y perdre, c'est les trailers. Hein. C'est-à-dire que Oui, si demain l'ensemble des si demain ça se propriétaires. passe mal, si demain ça se passe mal et qu'il y a vraiment une cohabitation qui est dégradée, et qu'on vient à clairement interdire les accès des propriétés privées, on perd 75% de nos terrains de jeu. C'est Ouais, puis surtout, je dirais qu'il y a quand même moins besoin de surface pour chasser que pour faire du trail, pour t'amuser, quoi. Alors oui, tu peux acheter ton terrain, ta butte de 100 mètres de dénivelé, et faire des allers-retours dedans, tu vois, en tant que trailer. Mais globalement, bon, le trail, c'est quand même, tu vois, quand on habite un peu à la montagne, c'est quand même faire des beaux tours avec des logiques. Moi, tu vois, qui connais très bien là où j'habite, bah moi, quand je fais des sorties, même pas très très longues, hein, de 2 heures, 2 heures et demie, c'est 4 ou 5 territoires sur lesquels je peux traverser, quoi. Donc, je suis en incapacité de posséder les terrains sur lesquels je me promène, quoi. Alors bon, il y a une partie des terrains où tu circules sur des voies qui sont communales, mais après, t'as quand même une logique qui serait, c'est, tu peux être sur un chemin communal, tu pourras jamais mettre un mur qui va arrêter la balle qui vient du propriétaire privé à côté. Donc il faut quand même avoir conscience de ça
et avoir une forme de compréhension des autres, parce que bah, si tu dois courir que chez toi, tu vas être plus embêté que si les chasseurs doivent juste chasser que chez eux, ce qu'ils font globalement déjà, quoi. J'aimerais juste avant qu'on bascule sur l'aspect communication entre les deux communautés, on va dire, enfin communauté de sportifs outdoor ou randonneurs et chasseurs, j'aimerais qu'on termine un petit peu sur la notion de règles de sécurité. Je crois qu'il y a eu des durées. Alors, d'après ce que j'ai vu, il y a un plan d'action lancé en 2023 avec la nouvelle ministre ou la nouvelle. Ah, j'ai un trou de mémoire, pardon. Secrétaire d'État, me semble-t-il, sur le sujet de la formation des chasseurs, le durcissement des règles de pratique, et notamment j'ai vu qu'il y avait des durcissements de règles, notamment liés à la consommation d'alcool et de substances illicites dans le cadre de la chasse. Ça, c'est quelque chose qui est effectif aujourd'hui? Alors ça, j'avoue que j'ai pas complètement ce détail de règlement. Alors je te dirais, dans la pratique de la chasse que moi je vois, nous on chasse sur des territoires qui sont relativement grands. Le non-usage de la voiture, il est quand même extrêmement rare dans nos territoires, entre la cabane de chasse et les lieux où on va chasser. Donc j'ai quand même envie de te dire, t'as pas le droit de conduire si t'as bu. Donc logiquement, déjà, il y a ce gros facteur limitant là, qui est que si t'as bu, t'as pas le droit de prendre la voiture. Après, exactement, est-ce que aujourd'hui on a le droit de verbaliser un chasseur qui serait alcoolisé? Ça, c'est un Ouais, si, point si, ouais, de. si, si, c'est passé là il y a peu de temps, mais effectivement, mais après, c'est, je Mais c'est pense, assez récent. oui, C'est sûr que c'est oui, c'est récent. récent, c'est 2023. Ouais, c'est ça, c'était cette année, ouais, effectivement, mais après, je pense que chaque chasseur est responsable, déjà, faisant en sorte de pas boire en chassant. Après, je pense que ça va dans le sens, mais effectivement, je pense qu'on n'a pas attendu d'avoir cette loi pour se dire, ah bah mince, on va arrêter de picoler pour chasser, quoi. C'est, voilà, c'est du bon sens quand même, quoi. Surtout qu'on a une arme dans les mains, donc, on picole pas, en Et chassant, si quoi. il boit un peu d'alcool, c'est quand même plutôt en fin de journée de chasse, une fois que la dernière battue a eu lieu, ça fonctionne quand même globalement comme ça. Et aujourd'hui, de toute manière, personne ne prendra le risque d'organiser une battue s'il y a des gens qui ont bu dans l'eau, quoi. Sur l'aspect formation des chasseurs, qu'est-ce que vous, toi Nico, toi Julien, qu'est-ce qui est, vous devez faire pour vous former? Alors tout à l'heure, tu as parlé d'une formation tous les 10 ans. Qu'est-ce qui est dit dans cette formation? Je crois qu'il y a une notion aussi d'angle de tir, etc. Je pense que les règles, elles évoluent aussi un peu au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Bah, la seule formation, c'est lors enfin, en tout cas moi la mienne, hein, c'est lorsque j'ai passé le permis. Après, il y a pas d'autres formations, mais comme on le dit, hein, il y a le président de la chasse ou l'organisateur de la chasse qui lui rappelle à chaque fois ses bonnes pratiques de sécurité. Donc, si demain la loi venait à évoluer, notamment je pense pour l'angle des 30 degrés. Aujourd'hui, l'angle des 30 degrés, c'est-à-dire que quand on est posté, on fait 5 pas sur notre droite ou notre gauche et 3 pas en avant. Et en gros, ça matérialise l'angle des 30 degrés. Donc après, Pythagore. on peut mettre un petit bâton à droite et à gauche, et on sait que quand l'animal va sortir, on a juste cet angle dans lequel on peut le tirer. Bah, je crois que demain, est-ce qu'ils veulent faire, enfin peut-être l'année prochaine ou autre, ils veulent qu'on matérialise avec un espèce de morceau en plastique orange cet angle, pour qu'on puisse mieux l'avoir en visu, et quand l'animal passe dans cet angle, là on peut tirer. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on fait déjà avec un morceau de bois ou autre, ou après à l'œil nu, mais en tout cas, moi me concernant, c'est vraiment ces sensibilisations-là qu'on a de la part des organisateurs de chasse. Très clair. Sur Après. la notion de formation, Nico, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, bah en fait, la formation, enfin les règles, elles sont quand même assez simples. C'est bon, le respect de l'angle de 30 degrés quand tu chasses en battue. En gros, ça, c'est pour pas tirer sur tes voisins, pour faire simple. Après, il y a le tir le plus fichant possible. Fichant, ça veut dire que, en gros, si un animal passe et qui se découpe dans le ciel, on va prendre si t'es un peu en contrebas et qui passe sur une butte, t'as pas le droit de, faut pas tirer. Faut que la balle se fige rapidement dans le sol. Donc idéalement, c'est pour ça qu'on voit par exemple, et donc là, si des gens anti-chasse nous écoutent, les débiles qui coupent les miradors, c'est pour la sécurité, c'est-à-dire que c'est pour monter dessus, pour faire des tirs plus fichants. Donc en fait, venir couper les miradors, c'est juste créer plus Augmenter de le risques. risque.
Exactement. Ouais. Augmenter le risque. C'est complètement stupide. Voilà, après, identifier parfaitement l'animal avant de tirer. Et après, manipuler son arme en toute sécurité. Et notamment dans les battues, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que faut pas quitter son poste. Donc l'endroit où on est, parce qu'on est disposé, en fait, il y a une partie de gens qui sont dans la traque, qui ont les chiens, par exemple, qui eux peuvent bouger, tous les autres doivent être fixes tant que la battue la fin de battue est pas signifiée. Alors avant, c'était avec des trompes de chasse, maintenant, il y a un peu plus de technologie qui est autorisée, notamment les talkie-walkie qui étaient interdits ont été autorisés il y a quelques années. Donc, en gros, les gens ne doivent pas se déplacer tant que la battue est pas terminée. Et de cette manière-là, ça limite quand même grandement le risque. Faut pas se déplacer avec une arme qui est chargée. Faut faire attention quand on décharge son arme. Faut toujours vérifier que son arme est déchargée. Idéalement, faut ouvrir la culasse, casser le fusil pour que tout le monde puisse voir que l'arme du voisin elle est en sécurité. Voilà, si on respecte ça, y a pas des milliers de consignes à connaître, quoi. Ouais, non, c'est clair. Hein. Après, c'est vraiment les règles de base pour éviter effectivement tout risque d'accident. Hein. Ok. Allez, on va passer à la dernière partie, la communication et la relation entre les différentes communautés, hein, on va dire, on va les appeler comme ça. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on reproche souvent à la chasse, je sais pas, vous pouvez partager votre avis, hein, peut-être que aussi c'est de la méconnaissance de ma part, de ce que j'entends aussi, c'est que on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à savoir nous en tant que non-chasseurs où c'est que ça se passe, en gros. Tout à l'heure, Nico, tu disais, moi, je vais pas prendre mon vélo pour aller sur la route. Sur un axe bien reconnu pour aller me faire écraser, on est d'accord, mais le problème est, ce que je trouve hein, qui est un peu compliqué avec la chasse, c'est qu'on a du mal, nous, en tant que non-chasseurs, à trouver les informations. Alors peut-être que je regarde pas et on regarde pas au bon endroit, mais sur les lieux de chasse et c'est problème pour moi un problème de communication. Ouais, alors c'est un sujet qui est assez complexe parce que actuellement il n'y a pas de cadre légal obligeant les chasseurs à déclarer leur battue. Il y a des applications qui ont été créées, notamment Landshare qui a été lancée par la Fédération départementale de l'Isère, mais t'as pas d'obligation pour les détenteurs de droits de chasse de déclarer les battues qu'ils sont en train de faire. Donc tu peux l'activer, c'est pas parce qu'il n'y a pas de battue sur l'application que tu es sûr qu'il n'y a pas de battue sur le terrain. Après, la majorité des battues sont faites, je suis désolé de relever ça, mais la majorité des battues sont faites sur des terrains privés. Ah bah oui. Ouais, alors ça, on peut juste revenir rapidement sur le fonctionnement, parce que je crois pas qu'on soit trop rentré dans le détail, mais donc ça, je l'ai précisé, mais le droit de chasse est attaché au droit de propriété en France. C'est quand même important de le signaler. Parce que, je veux dire, on chasse parce qu'on est propriétaire de terrain ou qu'on a hérité de ce droit parce qu'on a loué à quelqu'un qui avait ce droit, ou on a loué des terrains, notamment les forêts, alors, ce que les gens appellent les forêts publiques, c'est notamment les forêts dites domaniales. Alors, c'est public, mais c'est pas réellement public parce que c'est le domaine privé de l'État. C'est-à-dire que c'est l'ONF qui en a la gestion. Et l'ONF décide de souvent louer ses terrains pour la chasse quand ils y ont un intérêt cynégétique. Alors la particularité de ces terrains-là, c'est que souvent, s'ils sont dans des zones où il y a un peu des conflits d'usage, notamment des forêts périurbaines, en principe, par exemple, dans l'adjudication, donc dans le bail de chasse qu'ils vont faire avec les gens qui vont prendre ce terrain-là, il y aura souvent plutôt des jours de semaine et pas des jours samedi dimanche. Pour minimiser Les risques. les risques. Dans certains territoires où, par exemple, il y a vraiment beaucoup d'animaux avec des grosses battues, il peut y avoir beaucoup de coups de feu le jour des battues, ça peut y avoir une interdiction d'aller sur le territoire ce jour-là, parce que, encore une fois, c'est un terrain qui est entre guillemets privé, et bon, ils vont interdire, je sais pas moi, 5 fois l'accès de la forêt dans l'année pour que tout le reste du temps ce soit assez sécure pour tous les autres usagers. Après, quand on est plus dans la moitié sud de la France, où c'est plus des ACCA ou des chasses communales, c'est vrai que là, il n'y a pas de manière simple et de savoir, si ce n'est de, moi je pense, globalement, je sais pas comment fonctionnent les gens, mais on va quand même tous un peu courir dans nos coins, de manière un peu répétée.
Là, le mieux, c'est de se renseigner, quoi, auprès Mmh. des gens qui chassent sur ces territoires-là, se rapprocher. Souvent, c'est quand même à l'échelle de la commune. Donc, si tu appelles en mairie, par exemple, je pense qu'on te donnera le contact du président de la société de chasse que tu peux contacter. Et globalement, je pense que si tu fais cette démarche-là, c'est rare qu'on t'envoie bouler. Mmh. Et après, alors après, après, moi, personnellement, par exemple, je suis vraiment pour des solutions au cas par cas. Parce que il y a, par exemple, des volontés de gens qui sont plutôt anti-chasse ou qui n'ont pas trop d'avis, qui sont, par exemple, pour interdire la chasse le dimanche. En fait, moi, je trouve que c'est une solution qui est bête parce elle va priver plein de gens où il n'y a pas de besoin et pas trop de conflits d'usage le dimanche. Et à d'autres endroits, je prends un exemple assez connu des trailers autour d'Annecy, dans le bassin annécien. C'est sûr que vu le nombre de pratiquants de sport outdoor en ce moment, par exemple dans le Seine-Nose, dans le Verrier, alors dans le Verrier, je trouve que c'est interdit. C'est sûr que moi, je serais pas rassuré d'aller chasser le week-end sur ces territoires-là parce qu'il y a énormément d'autres usagers. Mais ça doit être des solutions au cas par cas et toujours le bon sens qui doit primer dans des cas comme ça. Mais pour une personne, je pense qu'à part se renseigner auprès des acteurs locaux, il n'y a pas de manière sûre de savoir s'il y a des battues ou pas, quoi. Julien, tu veux compléter cet aspect Non, bah après, il y a aussi tout ce qui est signalisation. Après, on peut voir aussi, hein, en général, quand il y a des battues, c'est quand même signalé par des affiches, par des cartons, donc chasse C'est même ou autre. obligatoire. C'est pas obligatoire, effectivement, mais ça permet de signaler qu'il y a au moins une chasse en cours. Et après, effectivement, comme Nico, enfin, si t'es sur ton territoire, tu sais plus ou moins quand les chasseurs chassent, ou tu vois le regroupement des voitures. Enfin, voilà, je pense que il y a des choses comme ça. Mais après, effectivement, pour que chaque propriétaire privé signale qu'il va chasser tel ou tel jour, ça, c'est effectivement compliqué à mettre en place, quoi. Même s'il y a des applications qui existent, mais il faudrait que chacun puisse se connecter, dire, bah voilà, tel jour je chasse. Et j'avoue que ça, c'est assez compliqué, Il n'y a effectivement. pas d'obligation, surtout aujourd'hui légale, de le faire. Donc, si t'as, parce qu'après, tu as aussi le côté, ça fait un peu flicage, entre guillemets, tu vois. Donc, tu as des gens, tu as un peu ce côté réfractaire dans la chasse, en plus du fait que ce soit quand même globalement une activité qui est pratiquée par des personnes qui sont pas forcément toujours dans une maîtrise parfaite de la technologie. Donc, il y a un peu ces freins-là. Mais globalement, de toute façon, moi, j'invite quand même les gens qui... pour avoir un avis, de se rapprocher des gens qui chassent pas très loin de chez eux, d'aller passer une journée avec les chasseurs, parce que si tu sympathises avec les gens, tu t'envoies un SMS, la personne avec qui t'as sympathisé, qui va dire, ah bah tiens, on va à tel endroit aujourd'hui, et ben tu vas dans une autre partie du territoire et tu seras plus tranquille. Les ACCA dont j'ai parlé, il y a des obligations aussi de territoire qui doivent être en réserve de chasse, 10% du territoire. Donc ça peut être, j'ai un exemple moi d'un endroit où je chasse dans la Drôme, sur la commune de Luz-la-Croix-Haute. Globalement, nos réserves de chasse sont quand même dans quasiment les plus belles parties pour aller randonner et courir, quoi. Parce que c'est les parties de haute montagne où il y a un peu moins de forêt, donc on a mis les parties de réserve là. Donc il y a aussi des zones où normalement, je dis normalement parce qu'il y a quelques petites exceptions avec les plans de chasse, mais normalement, dans les zones de réserve, il n'y a pas de chasse, quoi. Est-ce que, encore une fois, hein, tu l'as dit, mais est-ce qu'on a un moyen sur un site internet ou quoi que ce soit d'aller vérifier les zones privées, publiques? Je pense que c'est lié quand même au cadastre, où j'imagine. Comment on peut savoir assez simplement, ben, sur ce territoire-là, je suis dans une zone qui est sensible, ou sur ce territoire-là, je suis dans une zone qui est potentiellement sans risque de chasse? Alors, la première chose qui peut être faite, c'est de regarder déjà les jours de chasse qui peuvent être autorisés sur le département. Ça, c'est l'arrêté préfectoral. En sachant que c'est pas parce que c'est autorisé au niveau de la préfecture que ça va être forcément autorisé sur tous les territoires. Donc, il y a des endroits où peut y avoir un seul jour de fermeture. Il y a une époque où il y avait eu un jour de fermeture obligatoire, c'était le mercredi, qui avait été introduit dans les années 2000 avec la loi qui était dite Voynet, qui était une ministre qui était qui était chez les Verts et qui avait introduit ce jour-là, puis on est revenu en arrière. Mais il y a toujours des départements où il y a des jours où il n'y a pas de chasse. Donc là, ce jour-là, tu es sûr qu'il n'y a pas de chasseur. Après, vu que dans chaque territoire, ça peut être un peu différent, moi, je sais que par exemple, chez moi, les jours les plus exposés, c'est samedi, dimanche, jeudi, parce que c'est là qu'il y a des battues au grand gibier. Ça, tu peux savoir.
tu peux connaître ça. Les autres éléments que je dirais, globalement, si on veut retenir des choses qui sont pas des vérités sûres et certaines, mais globalement, ça chasse un peu plus le matin que l'après-midi quand même. Donc, si tu vas courir en deuxième milieu d'après-midi, le week-end, un peu moins de chances de croiser des chasseurs. Voilà, c'est ce genre de choses. Après, il y a l'application dont je parlais, ça s'appelle Landshare. Mais je saurais pas dire quel pourcentage des battues sont recensées sur. C'est vrai que les quelques fois que je l'ai mis chez moi, c'était très peu représentatif des battues qu'il y avait. Mais tu vois, ça m'est arrivé le week-end dernier d'aller courir avec ma copine dans les bois à côté de chez moi, c'est la commune voisine. Tu vois, on est arrivé au moment où on est rentré où on allait courir. J'avais prévu de faire un tour. On est tombé sur les chasseurs. J'ai croisé un chasseur, je lui ai dit, moi, comme je suis chasseur, il me connaissait un petit peu, mais j'ai discuté avec la personne, je lui ai dit, vous chassez où? Il m'a dit, bah, là, on chasse là. Et ben, on est juste allé à l'opposé d'où on voulait aller. En gros, au lieu de remonter, on est descendu plus bas, on a pris un autre chemin, et puis on a été complètement en dehors de la battue, ou en tout cas, on a été dans la zone de la battue où il n'y avait pas de chasseur, et donc, du coup, un risque qui est quasiment de zéro, quoi. Donc voilà, c'est du bon sens. Il faut avoir conscience que c'est un partage du territoire, donc il faut aussi arriver en étant un peu avenant globalement, mais c'est comme n'importe quelle relation humaine. Si t'arrives en tirant la gueule, ça se passe souvent moins bien que si t'arrives en souriant, en posant des questions, en demandant à la personne si ça va bien, comment se passe la chasse. C'est pour ça que c'est aussi mon point de vue quand on est trailer ou vététiste, c'est aussi important d'avoir un minimum de connaissances, parce que si tu connais un petit peu, moi globalement qui ai de la connaissance, quand je discute avec les chasseurs, quand j'arrive, je fais, ah bon, la chasse se passe bien, vous chassez quoi, vous cherchez les sangliers, tu vois un chien quelqu'un qui se promène le matin avec un chien, souvent c'est qu'il recherche les traces globalement des animaux et souvent du sanglier. Et ben, tu commences à engager la conversation de cette manière-là, souvent ça se passe bien. Et tu vois, on était avec le groupe d'entraînement Patrick, là, de ZEP, en train de faire un truc dans le Beaujolais, là, au mois d'octobre. On était en plein dans une battue, et ben il y a quelqu'un qui chassait. On lui a dit, ah ben on va faire des trucs là aujourd'hui. Il nous a dit, ah ben ok, je dirais la cabane de chasse, on va pas les chasser là, tu vois. Et en fait c'est ça le on lui a dit, voilà, on est là pendant genre 2 heures et demie. Et ben le mec il a pris l'information, et je suis sûr qu'ils allaient pas venir faire une battue là pendant les 2 heures et demie, tu vois. Ça après c'est communiqué, mais il y a pas, c'est je trouve que ça c'est un truc qui pourrait évoluer avec les technologies qu'on a actuellement, de plus pouvoir savoir. Mais bon, c'est pas simple, parce que moi, j'expliquais un peu, c'est pour ça que c'est important de connaître. Par exemple, quand on cherche les traces des animaux, tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle le pied, c'est-à-dire la recherche des animaux, ben en fait on sait pas où on va aller, parce que ça va dépendre. Il y en a un qui va dire, ah, ben là-bas j'ai trouvé qu'il y avait des sangliers, donc on va aller là-bas. Mais le matin quand on part, on sait pas du tout où on va aller. Donc en fait tu peux pas non plus avoir une information très à l'avance dans la pratique de la discipline, quoi. Ouais, en soi dans l'ADN de la pratique, c'est déjà difficile de Assez difficile. à part le, dans le cas d'une battue, c'est difficile de savoir où Ouais, encore tu la vas chasser. battue, c'est la, si tu veux, la battue, là, dans le cas que je te décris, c'est la deuxième partie de l'activité. Là, par exemple, quand tu es dans un cas où sur le territoire, la chasse, elle se pratique plutôt comme ça, là, à contrario, les 2, 3 premières heures après le lever du jour, elles vont plutôt être calmes, parce que justement, il y a plutôt des gens dans les bois avec les chiens en train de chercher les animaux et pas d'armes. Et globalement, il y aura plutôt une battue en deuxième partie de matinée, au début de partie d'après-midi. Mais ça, en fait, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller au contact un peu localement des gens autour de nous, pour savoir aussi quelles sont la manière de pratiquer des gens qui sont autour de nous, quoi. Absolument, c'est clair que je pense que le souci premier c'est la communication, de communautés qui se parlent pas, qui ont, je pense, enfin, après moi, de ce que je vois hein, autour de moi, c'est les trailers. Ont du mal à aller vers le chasseur. Hein, alors dans le sud-est, c'est particulier parce que je pense qu'on a encore plus une image négative des chasseurs ici chez nous. Toi, Julien, tu peux compléter cet aspect communication, toi qui es trailer chasseur aussi, tu sois ce que dit Nico, c'est-à-dire un trailer, il a intérêt à ou un vététiste hein, ou un randonneur, il a intérêt à venir parler avec un chasseur, communiquer quoi. Bien sûr, bah oui, clairement, mais comme a dit Nico, c'est vraiment du bon sens. Enfin, si tu vois qu'il y a une battue à un endroit, tu vas te renseigner et naturellement tu vas l'opposer, quoi. Je veux dire, tu rentres pas dans la confrontation. Enfin, la plupart des personnes qui en arrivent là, c'est parce que voilà, elles veulent
imposer aussi en disant bah voilà, la nature est pour tout le monde, moi j'ai le droit de passer là, machin. Je trouve que voilà, il faut faire preuve de bon sens et il n'y a pas que des mauvais chasseurs, comme on peut le voir vers les sketchs. Enfin voilà, c'est vraiment si on va aujourd'hui d'un trailer ou un VT6 devant un chasseur, il saura lui expliquer et lui dire que voilà, la chasse se passe pendant tant de temps sur ce territoire, donc aussi au trailer ou VT6 de faire preuve de bon sens et d'aller de l'autre côté. Enfin, je veux dire, ça change. Quand tu cours haut, tu veux pas forcément passer à cet endroit. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités. Enfin, le territoire français est tellement grand que voilà, tu peux te dire, bah aujourd'hui, j'irai pas là, mais j'irai demain ici, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Enfin, j'ai jamais été confronté, en tout cas, à des trailers pendant que je chassais ou des VT6, parce que moi, je chasse, comme je l'ai dit, hein, sur des propriétés privées. Donc normalement, il y a personne qui doit être là. On a juste été confronté une fois à des quads qui arrivaient dans le chemin, donc ils se sont retrouvés là et on leur a dit de faire demi-tour parce que voilà, ils étaient pas chez eux. Mais sinon, en tout cas, dans le nord de la France, il y a, enfin, le dimanche matin, il y a très peu de coureurs, quoi. Il y a plus de chasseurs dehors que de VTTistes et de trailers. Donc, pour le coup, moi, j'ai jamais été confronté, en tout cas, vis-à-vis d'un trailer ou autre sur un problème comme ça. Très clair. Sur l'aspect plutôt pratique, Nico, qu'est-ce que tu conseillerais à un trailer dans l'habillement, dans la manière de se comporter, donc, mis à part de ce dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire essayer d'être le plus avenant et de communiquer le plus possible, hein, ça c'est la première des choses à faire. Mais si tu avais des conseils à donner un peu plus techniques sur cet aspect-là, sur cette relation. Je pense que la plupart des gens qui sont déjà baladés pendant la période de chasse ont vu que les chasseurs avaient quand même souvent des tenues fluo. Donc globalement, moi je mettrais quand même plutôt des tenues voyantes en période de chasse si c'est possible. Mais globalement, c'est pas parce que le chasseur risque de te confondre avec un autre animal, c'est plutôt que si t'es voyant, par exemple, à un moment, parce que en fait le truc très dangereux, c'est tu te présentes en face d'un animal qui passe à ligne de tir et en gros à ce moment-là t'arrives et le chasseur il tire et t'es en face. Bah si t'es dans une tenue plus visible, peut-être qu'il va te voir dans son champ au deuxième plan, il va dire voilà, oh attention, il y a quelqu'un, je tire pas, tu vois. Donc s'habiller un peu comme ça. Après globalement je pense que ça dépend des tours qu'on fait, mais ça peut être intéressant. Par exemple, on va de, par exemple, prendre 2-3 minutes quand tu arrives sur ta voiture et d'écouter, par exemple, tu vois, parce que souvent il y a des chiens, ce qu'on disait, les chiens, souvent ils aboient. Bah, si t'entends les chiens aboyer assez fort à un endroit, il y a de bonnes chances qu'il y ait une battue à cet endroit-là. Donc après, là, globalement, moi je pense qu'il faut aller aussi vers les gens parce que, bah, globalement, alors c'est pas toujours le cas, mais moi, par exemple, si je suis en train de chasser, que quelqu'un arrive et me dit vous chassez, moi je connais très bien le territoire, je sais où sont les autres, je vais dire bah voilà, vous pouvez passer là. Si la personne elle a un téléphone, je peux lui montrer, je dis bah voilà, faudrait passer là, là il y aura pas de chasseur. Voilà. Après, à part discuter comme ça, il y a pas trop de solutions. Après, je pense que toi, Nico, tu es dans une zone où c'est peut-être parmi les territoires de France où il y a le plus de problématiques. C'est-à-dire qu'il y a une chasse encore fortement implantée sur des territoires qui sont assez fermés avec les végétations que vous avez dans les territoires méditerranéens et pas loin de bassins de population qui sont assez fortes. Donc ça, c'est vrai que c'est les zones pour moi les Les plus plus à risque, tendues et les plus à les plus risque tendus, ouais. parce que il y a beaucoup de personnes et potentiellement il y a de la chasse avec des gens qui sont quand même assez passionnés et un peu trop virulents. Et puis il y en a, je veux Voilà. dire, comme dans tous les domaines, il y a 20% de cons ou 10% de cons. Bon, ils sont un peu plus dangereux à la chasse parce qu'ils ont des armes, tu vois, mais ça, je pense que c'est la nature humaine, on peut pas y faire grand-chose. Mais globalement, aller vers les autres, comprendre. Moi, j'invite les gens, s'ils aiment un peu la nature, aussi à aller passer une journée avec des gens, pour voir aussi ce que c'est la chasse, parce que la chasse, c'est passer du temps dans la nature, c'est comprendre les animaux. Moi, tu vois, quand j'échange avec certains de mes copains qui sont trailers, il y a énormément quand même de méconnaissance de l'environnement dans lequel ils pratiquent, quoi. C'est-à-dire que enfin, moi, des fois, j'entends les gens, ouais, moi, j'aime la nature. Chacun a sa définition. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'aimes la nature, mais tu tues des animaux. Ok, mais en fait, moi, je vois beaucoup plus la chasse comme prélever quelque chose qui est produit par la nature. J'adore connaître les mœurs des animaux. Et en fait, à chaque fois que je sors, l'objectif, c'est pas de tuer un animal. L'animal, c'est la chasse. Quand tu prélève un animal,
c'est la fin d'un processus. Et moi, demain matin, je me lève, t'attaches un chevreuil dans la cour devant chez moi, je vais pas lui tirer dessus. Ça, il y a aucun sens à faire ça. S'il y a un sens, c'est la quête, c'est la recherche de l'animal, c'est le travail du chien. Et ça, c'est des choses qu'il faut pratiquer avec des gens qui sont passionnés pour voir ce que c'est. Moi, j'ai pas de sensibilité pour l'art ou pour la musique, mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent aimer ça. Après, sur le côté, il y a un argument contre lequel moi, on peut pas lutter, c'est un être sensible auquel vous ôtez la vie. Ça, tu peux rien répondre. La seule chose que moi je réponds, c'est que la plupart des gens, quand même, dans la société, ne sont pas végétaliens ou végétariens. Donc, ok, ils tuent pas des animaux directement, ils les font juste tuer par d'autres personnes. Donc, c'est moi je préfère qu'un animal il passe toute sa vie dehors et que potentiellement il soit prélevé à la chasse pour manger sa viande, plutôt qu'un animal d'élevage qui en est élevé. En intensif, qui aura presque jamais vu la lumière du jour de sa vie, quoi. Très clair, très ouais, c'est sûr que c'est un sujet. Là, on bascule un peu dans le sujet un peu philosophique de la chasse, hein, et c'est hyper intéressant. Et les arguments dont tu parles sont intéressants. C'est effectivement très intéressant. J'aimerais pas basculer sur la dernière partie. Juste avant de basculer sur la dernière partie, peut-être parler. Est-ce que il y a un intérêt à pratiquer le trail avec quelque chose qui fasse du bruit, une clochette ou faire du bruit un peu régulièrement quand on est sur des zones un peu couvertes, etc. Est-ce que ça a un intérêt ou pas du tout? Moi, je dirais pas forcément non. Je pense pas non plus, ouais, j'avoue. Déjà, comme l'a dit Nico, avoir un vêtement assez flashy de couleur, je pense que ça suffit. Parce qu'après, le bruit, tu vois, tu vas l'entendre autour de toi, mais à 30, 40, 50 mètres, je pense que le bruit s'entendra plus, donc je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une clochette autour du cou comme les chiens, tu vois. Ah non, mais Ouais. très Non, et clair. puis le bruit, c'est plutôt quelque chose, si tu fais vraiment du bruit, qui te met plus en alerte quand t'es chasseur. Parce que globalement, quand un animal il arrive, surtout un grand gibier, il a plutôt tendance à faire du bruit, donc tu es plutôt en train de te préparer. Après, on l'a dit, hein, normalement il n'y a pas de tir sans identification, donc il n'y a pas, normalement les gens ils sont pas attirés parce qu'ils entendent du bruit, donc faire du bruit ça va pas augmenter les risques non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais non, globalement, je dirais que quand il y a une battue, quand même. Si vous voyez énormément de monde, énormément de chasseurs, globalement, moi, j'irais pas me promener au milieu d'une battue parce que, effectivement, faut être honnête, s'il y a 30, 40, 50, 60, 80 balles tirées, il y a plus de risques si tu vas à un endroit où il n'y a pas de chasseurs. Faut être honnête. Mais globalement, c'est ça, c'est très difficile de donner des tendances générales parce qu'il y a plein de pratiques différentes de la chasse en France et t'as des endroits, enfin, moi, globalement, qui ces dernières années pratiquait plus des sports d'endurance, je ne sais pas combien de fois j'ai dû faire demi-tour à cause des chasseurs chez moi, alors que chez moi c'est quand même, ça chasse dans toutes les communes autour de chez moi, c'est quand même un terrain où, enfin un territoire, et encore vraiment la chasse est très implantée. J'ai dû faire des crochets deux trois fois dans ma vie, quoi. La plupart du temps, tu passes, il n'y a pas des chasseurs, il n'y a pas non plus, c'est des grands territoires avec souvent peu de chasseurs chez nous. Donc il y a quand même des zones où il n'y a pas forcément de chasseurs. Tu peux traverser une battue, au milieu de la battue par exemple, faire, j'en sais rien, moi, 3 km, tu traverses toute la battue, tu vas avoir un chasseur d'un côté, un chasseur de l'autre, mais en fait au milieu il y a quasiment zéro risque, quoi. Donc ça, après, c'est apprendre aussi à connaître pour être en sécurité, quoi. Je pense que la meilleure arme entre guillemets hein, pour éviter les soucis, c'est la communication C'est ça. entre Je les sais pas où tu personnes. vas courir, toi, Nico, le week-end, par exemple, tu vois, mais si tu vas souvent dans le même territoire, tu peux, tu vois, tu te rapproches, par exemple, des gens qui chassent, t'échanges un numéro avec un chasseur, et puis quand t'as besoin d'aller courir, tu lui mets un petit SMS, si la personne a un peu de sensibilité. Globalement, il y a quand même un peu de sensibilité, je pense, chez les chasseurs, aussi de comprendre qu'on est une pratique qui a pas forcément très bonne presse et que du coup faut quand même être aussi compréhensif et ouvert aux autres usagers pour que ça se passe bien. Enfin, moi je vais te prendre un exemple. Moi j'habite sur le trail, enfin sur le parcours du trail des passerelles du Mont-Pénard. Donc ce trail est né suite à la création des passerelles, et ces passerelles ont créé un sentier qui est devenu très touristique.
Et ce sentier-là traverse notre territoire chasse. Bon, bah, nous, très clairement, septembre, octobre, tant qu'il y a les beaux jours, on ne chasse quasiment jamais dans ce secteur-là de la commune. Parce qu'il y a énormément de promeneurs. Et si jamais on va chasser dans cette partie-là, jamais on va mettre des chasseurs sur la partie, sur le sentier où il y a les promeneurs. On va se mettre disposer d'une manière à, où les tirs se passent très loin des zones où il y a les promeneurs. Donc, il y a aussi quand même, je pense que personne se lève le matin en disant, ah, bah, si je tue quelqu'un aujourd'hui, ce sera pas très grave, quoi. Donc, tout le monde a quand même un intérêt à minimiser les risques et globalement, quand il y a des fortes tensions, de pratiques, de sports différents, bah, il va y avoir quand même une forme de régulation naturelle de la part des chasseurs. Je tiens un exemple sur l'agglomération grenobloise. De même, les chasseurs avaient arrêté la chasse le dimanche à 10 h parce qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les forêts. Et ça, c'est du bon sens, quoi. Très clair. J'aimerais te poser une question, Julien. Comment tu es considéré, et après Nico, tu pourras y répondre aussi, hein. Comment tu te sens considéré, Julien, dans la communauté du trail en étant chasseur? Est-ce que tu sens que tu es considéré un peu d'une autre manière ou pas du tout? Non, je pense pas. Après, la plupart de mes amis, bah, bien sûr, savent que je chasse. Mais après, oui, non, je pense que même au sein des autres des personnes du peloton, enfin, y a pas, ils savent pas forcément. Après, enfin, je dis pas, j'arrive pas avec une bonne en disant je suis chasseur trailer. Hein, mais effectivement, ça se passe très bien. En fait. Et en plus, ça permet aussi d'expliquer aux autres, enfin, comme l'a dit Nico, de sensibiliser et d'expliquer comment se passe une battue, comment se passe la chasse. Et je trouve que moi, je suis plus dans cette démarche-là de montrer que voilà, on peut tous cohabiter, que ce soit les trailers, les tétis, les promeneurs, le dimanche matin, que voilà, que nous, chasseurs, on a du bon sens aussi. Enfin, comme l'a dit Nico, si on voit quelqu'un dans le chemin, ben, on va pas prendre le risque de tirer et quand on va à la chasse, la sécurité, c'est avant tout ça avec la chasse à laquelle on pense, quoi. Mais au sein des trailers, voilà, moi ce que j'aime faire, c'est dire comment se passe la chasse et expliquer et essayer que tout le monde en prenne conscience pour éviter qu'ils disent, bah voilà, la chasse, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les inconnus, le sketch inconnu, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Moi, c'est vraiment ça, le sensibiliser et expliquer comment se passe une journée de chasse. Mais comme l'a très bien dit Nico, ça pourrait être aussi intéressant pour des personnes comme ça, un peu réfractaires, de les inviter une journée ou une demi-journée et leur montrer comment ça se passe la journée, pour qu'eux soient aussi sensibilisés et qu'ils aient un meilleur regard sur la chasse, et éviter tout ce qu'on voit maintenant. Ouais. Toi, Nico, de ton côté, toi qui croises beaucoup de monde, beaucoup de qui est très très impliqué dans la communauté trail, comment tu te sens considéré par rapport à ce point de vue, par rapport à J'ai cet jamais aspect? eu de problématique par rapport à ça. Après, je pense que je sais pas si tu suis mes réseaux, tu m'as jamais vu promettre de choses sur la chasse Non. parce que c'est incompris et que j'ai pas envie de rentrer dans le genre de débat. T'as peut-être vu une personne récemment, Aiden Hawkes avait mis une photo David, avec son père d'un animal, ouais, d'un bouclier. d'un cerf chassé à l'arc avec son père. Bon, j'avais pas lu tous les commentaires, mais il y avait c'est quelque chose de clivant, donc. Moi, je m'expose pas trop par rapport à ça. Après, voilà, tu vois, quand je fais un podcast comme ça va être public, tout le monde va savoir que je suis chasseur, même s'il le savait pas. Et je l'assume complètement parce que moi, j'aime une analogie à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a des gens qui sont contre la chasse. Alors, c'est très bien. Moi, je suis contre les émissions de CO2. Mais donc, demain matin, on peut arrêter les émissions de CO2 comme ça en se réveillant en disant, hop, on pollue plus. Non, c'est pas possible. Bah, arrêter la chasse. C'est pas exactement la même chose, mais c'est à peu près pareil. En fait, il n'y a aucun territoire, où il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que les seuls endroits, souvent, l'exemple le plus flagrant, c'était, parce que ça, c'est un peu le problème des réseaux actuels et des algorithmes, c'est que ça tourne en cercle fermé. C'est-à-dire que c'est anti-chasse, tu vas regarder des pages anti-chasse qui sont bourrées de désinformations. Moi, j'essaye d'être le plus transparent possible et parfois de dire, bah, ça, nous, les chasseurs, on fait pas bien. Mais par exemple, tu vois, moi je suis contre le lâcher d'animaux d'élevage pour chasser. C'est un des grands arguments avancés par les anti-chasses en disant oui, les chasseurs ils disent qu'ils régulent, mais ils lâchent plein d'animaux. Bon, ce que ces gens-là on comprenne pas et quand les gens connaissent pas, c'est que on régule globalement les grands animaux, on ne lâche pas ou pratiquement pas, et c'est très marginal et dans la plupart des endroits c'est même interdit. Versus, on lâche dans des chasses plus commerciales, des faisans, des lapins,
Globalement, pas parce qu'on a trop chassé, mais parce que les pratiques agricoles ont fait que les territoires de ces animaux-là sont réduits et font que les populations sauvages n'existent plus souvent. Souvent, on tourne dans ce cercle un peu fermé. On a une vision très biaisée de ce qu'est réellement la chasse. En fait, les endroits qui sont les plus connus pour l'un des seuls endroits, on va dire, pas très loin de chez nous, où la chasse interdite, c'est le canton de Genève. Le canton de Genève, il tue 200 à 300 sangliers chaque année. Ouais, c'est pas tué par des chasseurs, c'est tué par des gens qui sont payés par le canton de Genève pour aller tuer ces animaux. Bon, in fine, si t'es pour la protection des animaux, les animaux, ils sont morts pareil, quoi. Et le coût de la régulation sur un modèle genevois, il est absolument impossible à reproduire à l'échelle d'un À pays comme l'échelle la d'un France, pays. quoi. Ah, ça coûte 70 euros de l'hectare. Je vous laisserai calculer les hectares chassables qu'il y a en France pour voir le coût, mais c'est phénoménal. Aujourd'hui, on passe d'une activité, comme on l'a dit, où il y a des taxes qui rapportent de l'argent, c'est une économie qui est autour de 3 milliards, je crois quand même, versus il faudrait payer des gens, bosser des gens pour faire cette régulation. Donc, on n'a pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'on peut avoir une action sur le comportement des chasseurs. Ça, je suis le premier à le reconnaître. Après, être contre la chasse, c'est que philosophique. Après, concrètement, c'est comme dire, C'est ça. faut plus qu'il y ait d'émissions CO2. Tout le monde est d'accord. On est contre le réchauffement. Bon, demain, si on te dit, t'as plus le droit de te chauffer parce que ça met du CO2, t'as plus le droit d'utiliser ta voiture, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça, tu vas dire, ouais, bon, t'es bien gentil, mais comment je fais, quoi? Bah, c'est un peu pareil pour moi, pour la chasse. Tu peux difficilement être complètement contre la chasse, en fait. Tu peux être contre l'organisation actuelle de la chasse, mais dire demain on interdit la chasse, moi je dis des fois de manière un peu provocatrice, pour moi la meilleure défense de la chasse, ce serait que tous les chasseurs arrêtent de chasser pendant 4-5 ans. Et on voit Et ce là, qui on se se rend passe. compte quand même de l'effet qu'a la chasse, quoi. Parce que les territoires où, par exemple, il n'y a pas de chasse pendant quelques années, il y a des explosions des populations. Il y avait autour de Grenoble un incendie dans le Néron, qui est une montagne un peu emblématique. On voit faire un peu par les trailers souvent dans le massif autour de Grenoble. Bah, ça avait brûlé, il n'y avait pas de chasse autorisée, il y avait une explosion des dégâts, les jardins ils étaient ravagés par les sangliers parce qu'il y avait une explosion des populations, quoi. Donc la régulation, elle est quand même nécessaire d'une manière ou d'une autre, quoi. Très clair, je suis assez d'accord. C'est pour ça aussi, c'était un peu le but de cet épisode, c'était aussi de faire comprendre un petit peu de l'intérieur de ceux qui le font, hein, qui chassent, pourquoi, comment, quelles sont les règles, etc. Et je pense que c'est assez clair, hein. Vous nous avez montré bah, plusieurs choses, que c'est assez complexe, que on n'est pas chasseur comme ça du jour au lendemain, on prend un fusil, on va dans la forêt, on tire sur des animaux, que aussi malgré tout vous êtes des défenseurs de la nature et que vous avez qu'on a souvent des mauvaises images de la chasse et je pense que cet épisode le montre bien et puis aussi ça montre aussi que même si 6 décès dans l'année c'est dramatique, c'est quand même loin de ce que beaucoup imaginent. Donc je vous le remercie pour votre partage d'expérience, pour vos partages d'expérience. Allez, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Julien, je t'en prie, est-ce que tu veux conclure sur cet épisode? Ouais, bah bien sûr. Bah pour conclure, hein, moi je dirais que voilà, la cohabitation est tout à fait possible, mais il y a aussi, donc on a parlé aussi des trailers qui soient sensibilisés, mais il y a aussi de l'autre sens, sensibiliser aussi les chasseurs sur le fait de la pratique du sport, des vététistes, et faire en sorte qu'eux aussi soient au fait de ce qui se passe autour quand il y a des courses ou autre. Donc je pense que ça va aussi dans les deux sens, mais je pense que quand on fait preuve de bon sens, qu'on soit chasseur ou trailer, il y a pas de raison que ça se passe mal. Et la communication est hyper importante là-dessus. Donc, je pense qu'on l'a bien dit. Donc, je pense que si tout ça est respecté, ainsi que la sécurité, je pense que voilà, des accidents, il y en aura toujours. Les 6 morts que tu as cité, c'est toujours 6 morts de trop, même si c'est des chasseurs. Mais voilà, je pense qu'on peut faire en sorte de tous cohabiter et de partager cette nature, ce territoire, tous ensemble. Très clair. Nico, je te laisse conclure sur le ce que tu veux. Vas-y, je t'en prie. Ouais, bah je reviens un peu sur ce qu'a dit Julien. C'est vrai que moi, quand je suis chasseur et qu'il y a, par exemple, une demande de course d'un passage sur le territoire de chasse, ben, moi je milite pour dire, attendez les gars, c'est bon, c'est une fois dans la saison. Et puis idéalement, si par exemple tu es organisateur trail, ton contact avec la CCA de chasse du coin, si tu organises pendant la chasse ou même en dehors de la chasse, je sais pas, dis-leur de venir tenir la buvette ou quelque chose, ou d'aller faire bénévole.
Et en fait, si ça se passe comme ça, globalement, si tu impliques les gens, ils sont toujours plus tolérants. Et puis, moi, j'aimerais juste qu'on retienne que, en fait, on est quand même globalement des gens qui sont passionnés par la nature et qu'on a quand même, en tant que chasseur, tout intérêt à préserver la biodiversité. Et que tu vois, là, moi, je me suis intéressé à ce sujet-là parce que c'est le territoire où j'habite, mais le petit gibier de montagne a été fortement attaqué cette année par des associations One Voice ou la Ligue de protection des oiseaux pour interdire les plans de chasse de ce petit gibier de montagne. Est-ce que ces gens, ils oublient de voir dans leur vision, c'est que les chasseurs actuellement, c'est quasiment les seuls qui font des travaux pour maintenir les habitats de ces espèces qui sont, c'est vrai, en déclin à cause du réchauffement climatique, à cause de la perte de leurs habitats. Et oui, le chasseur va peut-être tuer un, deux tétralyres dans l'année, mais ils vont donner de leur temps pour aller compter les populations. Ils vont, par exemple, prendre une débroussailleuse ou la fédération de chasse va mettre des budgets pour qu'on entretienne ces habitats. Et donc, il faut avoir cette vision quand même globale aussi de la nature et de voir au-delà du truc bête et méchant. Ils ont tué un animal sans faire nom invoqué, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à côté si ça a permis à deux, trois, quatre couvées de naître? Et ben, en fait, ça a favorisé la biodiversité et le nombre d'animaux de cette espèce. Donc, globalement, le chasseur, si t'es passionné, t'as quand même envie qu'il y ait des animaux sur ton territoire, et donc tu vas tout faire pour aussi que le territoire soit le plus favorable à la biodiversité, quoi. Et tu vois, je vais juste finir là-dessus, mais aujourd'hui on parle beaucoup de l'arrivée du loup dans nos territoires. Bah, beaucoup disent c'est un bien pour la biodiversité. Bah, moi, pour certains endroits où j'ai connu des grandes populations de chamois, notamment sur des endroits où tu comptais 600 animaux, aujourd'hui t'en comptes 70, quoi, depuis que le loup est arrivé, quoi. Donc, il y a quelques loups dans les forêts, il y a beaucoup moins de chamois observés. Donc, c'est très global et je pense qu'il faut s'intéresser à ça aussi pour avoir un avis. Mais comme dans tous les sujets, quoi, si tu connais pas, je pense que le mieux c'est de ne pas avoir d'avis et de justement Absolument. connaître, apprendre et après de te faire un avis. Et moi, je comprends totalement qu'on n'ait pas envie d'aller à la chasse et qu'on puisse pas tirer sur un animal, mais j'ai du mal qu'on puisse avoir un avis sans jamais y être allé, quoi. Et sans connaître le sujet, effectivement. C'est ça. Sans au moins se renseigner sur les bases. Donc en tout cas, je vous remercie. Le message est passé, Nico. Super conclusion. C'était hyper intéressant. Bon, je pense que ça va faire réagir, bien évidemment, mais c'est aussi le but, hein, c'est aussi de provoquer le dialogue, de faire en sorte qu'on en parle, d'essayer aussi par mes petits moyens de faire en sorte que cette communication entre deux communautés qui aujourd'hui ne se parlent quasiment pas, ça change. Parce que c'est par là que ça doit passer et que de toute manière, on n'a pas le choix, on est obligé de se parler pour que ça se passe le mieux possible. En tout cas, Est-ce qu'il y avait qu'un élément pour ouais. juste je finis, qu'un élément, c'est juste de se dire attention, le risque si on n'échange pas, si on ne communique pas, c'est qu'à un moment ça se referme et que ce soit chacun chez soi. Et je suis vraiment pas sûr que les trailers et tous les usagers de la nature en général soient gagnants à ce qu'on aille vers ce pays-là, quoi. Je suis même sûr qu'on ne sera pas gagnant. Ça, c'est clair. Bah, si un jour on loue les forêts pour aller courir dedans, Oui. mais si on n'est pas prêt à payer pour aller l'utiliser, ceux qui paieront seront toujours à mon sens prioritaires, On quoi. a intérêt à que ça, on a intérêt à tout, Voilà, à ce que tout se aujourd'hui on passe est bien. plutôt bien, donc je pense qu'il faut juste essayer d'entretenir ça et globalement les chasseurs ça décroît, donc je pense qu'il y en aura de moins en moins dans les décennies à venir, mais on se rendra compte peut-être aussi à ce moment-là que c'est une activité qui avait pleinement sa place dans la gestion des territoires ruraux. Très bien, très clair, très net. Merci à tous les deux. C'était un vrai régal. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite, hein, de vos deux passions, le trail et la chasse. Et puis non, les chasseurs, pardon, ne sont pas des caricatures du sketch des inconnus. On aime bien ce sketch, mais regardez-le avec quand même un peu de second degré parce que non, ça, moi de mon point de vue, même si je connais pas bien le milieu, je pense. Et là, vous l'avez montré très clairement que les chasseurs sont pas les inconnus. Merci à tous les deux et puis on se retrouve peut-être une prochaine fois pour un autre épisode. Yes, Merci merci Nico. Nico. À Merci très beaucoup. vite. Ouais, salut. Ciao. Salut. Salut.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié la compagnie et cet échange avec Nicolas Martin et Julien Delattre, que je remercie énormément de leur partage d'expérience du milieu qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent depuis de nombreuses années. Et j'espère que ça t'aura permis de t'éclairer sur ce milieu que l'on connaît très mal. Et surtout que ça t'aura permis d'avoir une vision un peu différente des chasseurs, qui est souvent erronée. Si tu souhaites rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si tu veux aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify ou Spotify en fonction de celle que tu utilises. Et tu peux mettre 5 petites étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ce qui est important pour le LTP, c'est si tu peux parler autour de toi du podcast afin de faire connaître cette émission et que ça puisse faire en sorte de faire grandir la communauté des auditrices et des auditeurs du LTP. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut !